J'aime pas comment on peut faire en sorte qu'elle accepte. Bah, je pense que c'est trop tard, non? Alors, lui, à force de lui mettre des pains et qu'elle aura plus de dents, je pense qu'elle va accepter. Bah, tu sais, elle voudrait dire non, elle fera. T'as dit oui? Mais on peut pas la fouetter, ça veut être Lana? Mais putain! Mais... mais non, mais vrai, c'est vrai! Il y a peut-être un moyen de la rendre soumise ou. Mais fouet. Mais la rendre soumise, mais ça va après ça? Mais non, mais non, mais c'est sérieux en plus! C'est vrai que Précéa, on n'est pas ensemble du tout, Précéa! Moi, je veux pas me faire cancel! Hein. Pilori Coop. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Pilori Coop? On n'est pas ensemble, hein, là, Précéa! Parce qu'on venait d'installer le pilori et qu'on est attaché Sveltana, pardon. Ah, c'est le nom de la sauvegarde. Oui, c'est le nom de la sauvegarde. Bien, on n'a pas vu les écuries. Ah non? Ah, les casser la gueule à des paysans. Attends. Quoi? Alors, attends. Valeur de base. On attend Alpha. Attendez, je vous explique. Les prisonniers peuvent. Hein? Clique sur l'écurie, comme ça tu peux lire ensuite. Pardon. Faire pause. Alors. À qui on peut casser la gueule là-dedans? Non. Pas tout de suite. T'inquiète, ça va venir. Ah, c'est trop rapide. Ok. Attends, c'est pourquoi, trop rapide, pourquoi c'est on est avec Curie là? Je sais pas. On voulait voir. Bonjour. C'est étrange. J'ai pas le frein. On est déjà venu dans votre présence. Que t'en sais? On est déjà venu. Mais oui, mais je pense. On peut en avoir assez de chevaux, non? Ah oui, en effet, on lui a vendu. On avait vendu nos croûtes. Ah, on avait vendu nos déchets. Attendez, avant de partir. Ah bah non, on n'a pas vendu Gus. Avant. Quoi? Qu'est-ce que tu disais? Ta gueule. C'est déter. Avant de partir, est-ce que quelqu'un a besoin d'un bouclier? J'ai un bouclier disponible. Pour les faibles? Alors, Jacouille, c'est un archer, je pense pas qu'il en ait besoin. Non, c'est bon. Tu sais pas équiper les boucliers sur les archers, de toute façon. Oui, bah c'est pour ça. Dans ce cas-là, je vais lui vendre. Parce que... on lui vend 30. Ah bah non, je vais pas le vendre, on s'en fout, on dégage. Tu le désenchantes? Ouais. Tu le daises? Daise. Yeah. Qu'est-ce qu'on fout là? Quelqu'un qui se fait recueillir dessus? Je sais pas. Ok. On va où? On fait quoi? Alors... On est recherché. On n'est pas recherché. Attention, si, attendez, si, on est à 56. Faut pas aller là-bas. Non, mais je crois qu'on n'est pas recherché. Regarde, c'est vert, c'est ouais, vert. C'est jaune, c'est vert, t'inquiète. Non, mais évitez d'aller près eux. S'ils nous parlent, ils vont pas. Ah, mais après, oui. C'est possible que. On a plein de quêtes là-bas, en effet. Go vers là où elle est le J3. Ça qui marche. Le vert. C'est qui J3? Le vert, c'est qui? C'est mon. Non, c'est pas moi. Moi, je suis jaune. J'ai eu une promotion. Suivez-moi. Donc, Svetlana, elle a en peuvent s'enfuir pendant le repos 100% valeur de base, moins 20% compagnon à proximité, moins 20% blessure, moins 100% pilori. Ah, donc, parfait du coup. Si elle a le pilori, elle a de grandes chances qu'elle se barre. Ça me paraît un peu logique. C'est dommage pour elle. J'espère qu'elle l'aime, ce pilori. Ah ouais, non, mais. Elle y est très attachée en tout cas. Ouais, bon, là, je vois. Bah, prenez de l'eau de vie. Il y a des trucs qui ont disparu. Putain, et les acheteurs, ils sont plus rapides que les voleurs. Ah, j'avoue. J'ai même le temps de cliquer. Qui a cliqué? C'est vraiment pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, moi, j'aurais volé, moi. C'est Alpha, c'est Alpha. Non, non, bah, il est pas dans mon inventaire, le cidre. Moi, j'ai voulu l'acheter. Je suis sûr que c'est maf. Je regarde sur ton stream. Maf, c'est pas moi. Il est dans ton inventaire. Non, mais c'est quoi ce menteur là? Ah, si. Ah, mais c'est vu qu'il brillait. Et du coup, je l'ai pas reconnu. Ok. En effet. Ouais, il brille. C'est moi qui vends, achetez pas ça. Mais quelqu'un a acheté du chou farci, vraiment? Eh, attends, le chou farci est critique augmenté de 10%. Hein. Mais arrêtez, ça coûte trop cher. Non, mais la recette. Moi, la recette, ça m'intéresse. Mais il y a un mec qui a acheté du chou farci en balle là. Je suis d'accord. On a plus de thunes! C'est pas moi qui ai acheté, c'est Maf qui. On a 600 balles! Le chou farci va nous mettre bien! C'est de la dextérité, ça fait du bien aux archers! C'est pas de la dextérité, c'est du critique! Ah bah c'est pareil, ça sera bien! Ah oui, alors bon, il s'avère que je me suis un peu renseigné sur le jeu et j'aurais besoin. Je peux même pas voler! Arrête de voler! Mais j'ai pas volé, justement! Ça me frustre! Oui! Tu veux j'aurais t'exprimer. Besoin d'aller à un camp d'entraînement pour faire une petite respé, sauf que ça coûte 500. Quoi? Oh, c'est mort.
Oh, c'est mort, mec. Une respect. Voilà. Oh, c'est mort. Oui, parce que mon tank, il peut tanker encore plus. Et non, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. 500 balles, tu te rends compte de ce que c'est, là ? Faudrait avoir de l'avance. Peut-être que si on arrêtait d'acheter des choux à tout va, on les aurait. Si on avait l'argent, on devrait avoir une vraie discussion que personne ne voudrait avoir. Alors que là, on ne va pas l'avoir. Donc, merci qui ? Ceux qui achètent des choux. Allez, salut. Attends, c'est quoi la vraie conversation ? Il faut vraiment qu'on ait une conversation tous ensemble. Vous n'aurez plus rien pour réparer des trucs. Attendez, mais Solveig, vous êtes végétarien ? Oui. C'est du chou farci au poulet ? Si c'est à l'intérieur, ça compte pas. Si je le vois pas, ça compte pas. Vous foutez de ma gueule ? Pendant tout le temps, vous avez cassé les couilles à bouffer des champignons non-stop alors que vous pouvez bouffer de la viande ? Super. C'est une branche un petit peu particulière du véganisme. Tout ce qui ne se voit pas ne compte pas. D'accord. Il y a la feuille par-dessus, c'est bon. Exactement, faut une grande feuille alors. Hein. Faut que ce soit emballé, mais ouais, ça marche. Mais putain, le flexitarien du dimanche. Terrible. C'est ça. Par contre, 500 okay. balles, mais pour quoi faire vraiment concrètement ? C'est vraiment utile ou pas ? Non mais c'est mort. Bah c'est je mort. Sais pas, juste... faut voir. Bah, mec, c'est tout. Apparemment c'est mort. Voilà, quand tu peux acheter des recettes à 4000 balles, ça c'est bon. Ça va les... Putain, l'inflation, c'est vénère. Hein. Mais ça, il nous fait caca nerveux parce qu'il veut pouvoir être plus cheaté et plus tanky qu'il l'est déjà. Ça va, là. 500 balles, c'est trop cher. On a 0 points. Après, 500 balles pour avoir Hulk dans notre groupe, je... Mais on a déjà Hulk, c'est pas grave. On a Ted. C'est vrai, Ted le Tchad, il tient toujours. Bon pied, bon oeil. Merci beaucoup, Duki, la cigogne. Où, sur ce fight. Ouais, mais on a plus que Ted. Il faudrait qu'on trouve la compagne de Ted. Hein. Mais allez, vous avez vu quand même cet enfant ? Pas très agréable. C'est ça, quoi. On se met sur le flanc en haut, là ? Bah dites-le moi, parce que là je me sens un peu seul avec mes animaux. Attends, faut un coin où on peut se mettre tous ou. Moi, faut que je sois à côté du relou. Oui. Du ralou ? Ralou ! Ken ! Alors je vais mettre Jacouille. Waouh, j'ai entendu wow. Ouais, attends. Non, mais il y a des blagues, ça passe. Et des fois, ça passe pas. J'ai entendu quelque chose. Merci Magnussen, merci Magnussus, pardon, merci. Côté, hein, merci si infiniment, on le soutien des 70-30. Oh, dans la boue. Ouais, mais les archers. Dans la boue. Non, il y a encore deux places dans l'herbe. Non mais par contre, voilà. Mais barrez-vous de là. Côté, non mais là-bas, barrez-vous, hein. Venez près de là où on est. Hein. Bah il y a pas la place pour mettre tout le monde. Si, ou, faut encercler. Ouais. Et les autres, ils nous rejoignent en sprintant. De l'autre côté, on a leur capitaine hein, qui les buffe oui. tous. Oui. Non, il faut être là où on est. Hein. Alors si on peut mettre le loup à côté de Cunningonde, ça serait cool. Attends. J'arrive. Voilà, et Maf tout seul contre là. Ah non. Ah bah c'est bon, on a mis la place pour tout le monde. Cunégonde, faut inverser avec Gus. Ok. Mais pourquoi ? Gus, si tu veux, tu peux te mettre là. Bah parce que le loup et Cunégonde, ils combattent. Ouais, je suis un peu Princesse Mononoké. Ah bah, d'accord. C'est stylé, hein. Princesse Mononoké. Bon, c'est quand vous voulez, du coup. Bah oui. Bah, go, qui joue hein. En premier en face, c'est celui qui est tout au bout, donc c'est pas un problème. Ensuite, c'est lui. Bah littéralement, si quelqu'un veut faire quelque chose, libre à lui. Va mettre des gros coups de marteau. Attends. Je vais peut-être commencer par Cyril pour récupérer des points d'action. De oui, les points de bravoure. Parce que là, on en a genre aucun lol. On a rien. 24. Le seul truc, c'est que, bref, si je veux le faire, je peux en avoir 3 max, quoi. Non, mais c'est bien 3. Ok. Ouais. Donc, faut que j'arrive à me mettre... Putain, j'espère que j'aurai les 3. Oh non, j'en ai que 2, je sais pas en avoir 3. Bon, c'est déjà ça. Allez. Petit mouvement doublé. On s'en fout, mais voilà. Gus, tu as le mouvement doublé. J'espère que tu es heureux. Moi, je vais taper. Je suis très heureux. Je cours vite. Courir vite. Ah, c'est cool. Je sais si je vais taper tout le monde avec, là. Ah ouais. Oh, let's go. Quoi, il y a eu une mise à jour ? Boum !
Ah bon? Non, y'a pas une mise à jour. Ça doit être la scène. Il a dû améliorer sa compétence ou un truc Bah du coup, t'as Jean-Michel ici, là. Éclate-lui son crâne. Hein. En fait, je pense que Robiru, il a peur de se faire supplanter par Gus, qui peut devenir beaucoup plus tanky que lui. Je pense qu'il y a un petit... Mais je suis pas tanky. Ah bon? Non, ah, mais il est juste jaloux. Mais je pense qu'il y a quand même... Je voulais utiliser mon compte CPF pour faire une formation, mais il veut pas. Oui, mais je pense même s'il est pas tanky, justement, il a très peur que tu le... J'ai pas peur. Plus fort. Hein, si, si, il y a un petit côté mal alpha, là. Si, si. Il est en concurrence pour Sveltlana avec Gus. Oh, mais moi, Sveltlana, je touche pas, moi. J'ai vu comment elle te regarde, ça me plaît pas. Oh bah écoute, t'as qu'à la recadrer, hein. Bah, elle est déjà sur. Gus, il a été pissé un jour à 4h du matin. Non, il est c'est malsain, l'ASMR, cocotin. Je trouve ça hyper malsain et sexuel. Et tout ce qui est en lien avec le sexe par rapport à moi, s'il y a des viewers qui me sexualisent, je trouve ça hyper malsain. Et les gens doivent vraiment se poser des questions de ce côté-là. Et l'ASMR, je suis désolée pour toutes les personnes qui font de l'ASMR. Mais honnêtement, pour moi, il y a un aspect extrêmement sexuel que vous ne verrez même pas sur ma chaîne. Voilà. Il y a Jacouille là, le nouveau là. Jacouille, il peut pas. Ouais, Jacouille, qu'est-ce qu'il a, Jacouille? Allez, Jacouille, fais un truc là, rends-toi utile. Il est où, Jacouille, vrai c'est un. Il est où, Jacouille? Horrible. Il est là, Jacouille. Allez, vas-y. Tue-le. Attention. Bah non, je peux pas le tuer. Putain, mais nul à chier, Jacouille. Non, mais il vient tout juste d'arriver, Jacouille. S'il vous plaît. Oh, il a vraiment pas d'attente. Bah, ah, du ouais. coup, je peux rien faire ah, d'autre, du coup. C'est, la merde, c'est, cool. Oh, c'est vraiment de la merde, ouais. Ah! Oh, mais, bah tiens, En vrai, c'est pas Gus, cool ça, parce bon. Que vous savez, c'est un stagiaire, il vient tout juste d'arriver, il a besoin de prendre ses places, ses marques. Tout de suite, le stagiaire. Attends, c'est qui? C'est lui qui joue? À la rigueur, je peux jouer avec Gus pour donner un point si vous voulez. Vraiment, il y a personne de jouer. Si tu donnes un point, moi je peux mettre le cône, le barrage, et si je le mets sur le truand et l'autre, ça veut dire que le truand pourra. Celui à qui il reste 4 HP là, bah voilà, il mourra là-dedans. Faut que quelqu'un ait tagué au corps à corps le braconnier, l'archer là. L'archer, faut que quelqu'un le tague au cac. Moi je peux pas avec Jean-Louis. Le loup. Vas-y, fais ton office. Non, l'ours, l'ours peut-être. Ah, quoi que non, le loup. Do your thing. Ouais. Alors, après oui c'est vrai que le d'avoir l'ours... les trois. Attends, si tu peux aller connecter l'ours. Moi j'aime bien m'énerver de temps en temps. C'est pas mal, parce que c'est lui qui va jouer. Attends, l'ours il va se faire dégommer. Et non, c'est un archer. Mais non, mais attends, il y a les autres derrière. Là. C'est juste que c'est celui qui va jouer, ouais. Je crois qu'il a un problème, Eventis. Est-ce que quelqu'un peut lui faire un massage cardiaque, s'il vous plaît? Bravo. J'ai très peur pour notre tête quand même. Il est le seul. Il s'est pris une caresse. Alors. Le truc, il a 350 HP et oh non, j'ai peur pour lui. Il va peut-être passer sur non, la Non, mais vous me verrez jamais énervé sur ma chaîne. Let's go, je peux avoir c'est les sûr. 3 s'il bouge. Ah bah c'est parfait, du coup, s'il bouge, il a un HP, il meurt. On est d'accord que là, t'as pas tiré. Si. Non. Non. C'est bien ce qu'il me semblait. Et Ventis voilà. Ne voit absolument oui. Tout, tu peux rien lui cacher. Non mais... T'as pas tiré. Oui, enfin, non. C'est... il a tenté une Ted là. J'avais l'impression de voir Ted quand il ment. Bah en vrai... Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour. Parce que eux, faut qu'ils bougent, histoire... Enfin, en vrai... ouais, là c'est un peu chiant parce que. Tu viens avec moi. Qui joue d'abord. Allez, je fais du saignement. Ah oui, fais du saignement, vas-y. Parfait. Mais attends, mais je peux pas. Enfin, ouais. Saigner le monsieur, hein, pas moi. Hein. On n'a pas de points. Et oui, on n'a pas de points, donc je ne pourrais pas faire de saignement. Je les ai consommés. En même temps, on a commencé ce combat sans points, donc bon. Le truand c'est son tour et bizarre. Non. Tu fais quoi là? Moi je colle, le truand il va aller là où je pointe et il va faire son tour. Non mais attends, tu veux pas avec le loup plutôt attaquer lui là? Comme ça après c'est le truand qui joue, il meurt et voilà quoi. Je pense que le truand il va partir à côté. Mais il peut pas.
S'il veut, s'il essaye de sortir, il se prend le cône. Oh, s'il se prend pas d'attaque en sortant, c'est beau. Ah bah, oh génial, là, oh génial, oh là 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 là. Bah, 63, non, mais... hein. Ah non mais il était dedans, hein. S'il partait dans l'autre sens, c'est pareil, il se faisait toucher. Par contre, mon cher Solvek, ce serait bien que tu donnes une formation au Jacouille, hein, parce que bon. Comment ça même, non mais alors pas oui, problème, mais je veux bien. On partagera un morceau dessous. D'accord, ok. Tu m'apprends le véganisme, c'est ça? Exactement. Très bien. Tout ce qui ne se voit pas ne compte pas. Bah, il me reste que moi. Il a un bon petit goût ce chou. Hein. Ah, tu vois Magnusus, tu peux l'utiliser enfin encore, le gourdin. Tant mieux, tant mieux. Bonjour Taurine, bonjour à ceux qui arrivent. Putain, décidément le nombre de Taurine de ce chat, le nombre de nains, j'ai vu. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Oh la violence. Mais pourquoi il se prend pas la... Oui, j'ai pas vu. Si, il se l'est pris. Il se l'est pris, ouais, j'ai pas vu. J'ai l'impression que cet éclair est humain, il se rapproche un peu trop de nous. Il veut Cyril. Bah pour le coup, si vous avez des trucs à faire, allez-y. Ouais. Bah moi j'ai envie de m'amuser, donc je vais essayer. Oh là là, bah il y a quelqu'un d'autre qui s'amuse là. On s'est remis. Ça dégage. Je vais utiliser la lance pour une fois. Allez, vas-y. J'ai très envie de voir un peu ce que ça donne. Super. Il est marqué combien de dégâts ça fait ce truc? 25. 11. Ah merde. Ah moi je vois un fiche 25 de dégâts moi. Ah ok. Bah c'est peut-être moi, et qui c'est 29 pour qui? Là je vois 7 maintenant. Les dégâts sont pas clairs. Je vois 29. Mais vas-y. À mon avis ça se scale sur la dextérité ou quelque chose comme ça. Vas-y, embranche tout quelqu'un là. Et là, alors est-ce que je peux lancer là-bas? Attendez, j'essaie juste de comprendre. À part lui. Attendez, deux secondes. Comment ça peut fonctionner? C'est vraiment au Moyen-Âge, à l'époque, comprendre comment fonctionnait une lance, c'était compliqué. Ouais, c'est surtout pour Kunigong, c'est un bug emblégué. Attendez. Oui, parce que si tu jettes de l'autre côté, ça fait pas mal. Ah bah voilà, je me disais bien. Wow. Ah, ça fait pas saignement, ça. Ouf. Attends, il avait pas déviation. Il avait pas déviation. Ah peut-être, parce que là je suis un peu déçu. Ah non, il y a un truc qui s'appelle contre-flèche, dégâts subis, des attaques de tir réduites de 90%. Ah ouais, je suis un peu déçu, ouais. Merde, bon bah c'est raté. Ah, moi j'ai trouvé ça impressionnant. Ouais, ah tu bah vois, ça c'est flèche. Très gentil. C'est dans ses passifs. Les passifs ah oui, waouh. Et voilà, il a saignement. Voilà. Ah, bravo. Et bon, je vais essayer d'être un tout petit peu utile. Au moins lui faire commencer à lui faire du dégât, quoi. Bon bah écoutez, amusez-vous hein, Cunigonde a fait allez, son action. Allez, le. Il y a bouchon là-bas. Ouais. Faut laisser jouer le. Il y a les clairs, ils viendront pas dedans mais... Alors. Faut laisser jouer le loup. Faut laisser... Le loup. Le loup. Il y en a qui sont pas d'accord. Bah... Boum. Il fait mal hein. Ouais. 39 sur un tank comme ça. Ah, il peut plus croquer. Ah oui. Ah le combat de... Combat intense. Hein. Combat de Nécron là. Oui. Donc. C'est pas mal. Ah oui merde, il a les trucs. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais les... Coucou prof Eloué, coucou à toi. Attends. Bonjour tout le monde. Je suis en just chatting. Actualise peut-être pour voir si je suis toujours en just chatting. Faut voir. Je laisse mes modérateurs voir mes... Oui, t'as pas le il faut que tu actualises. Lui, le truand. Actualisez ouais, toujours les catégories, vous verrez. Oh, et puis même si je suis en Just Chatting, vous savez, c'est pas... Bah, franchement, c'est pas grave. Ah, je vous assure que je n'irai pas en prison pour ça. Mais je vous assure que la police ne va pas venir et me mettre les menottes en me disant que j'étais une mauvaise fille. Il avait le doigt sur le bouton depuis tout à l'heure, il attendait le moment propice. Il a réagi trop vite. J'attendais. Calme un putain de merde. Ouais, je vais éviter de bloquer les gens. Je n'ai pas encore retrouvé de couilles, non. Wow. Le tour de zinzin. En vrai, c'est faut fou, les attendre hein. Là. Faut les attendre. Est-ce que je peux avancer? Attendez, Jacouille, oui, c'est ce que je vais faire. Est-ce que je peux avancer, Jacouille? Se sent un peu nous. Non, mais avance le plus, mais le genre là. Eh ben, je peux pas plus parce que Jacouille, il est. Ah oui, Jacouille, il a.
Il a une blessure au pied, il est nouveau, il n'est pas aussi rigoureux que vous. Mais comment ça, il a mouvement 6? Pourquoi il se traîne le cul partout comme ça? Alors, s'il te plaît, si tu... Robert Rue, est-ce que tu peux calmer d'un ton? Il est confiant, lâche et dresseur. Ah, lâche. Ah oui. Ah, bah, comme les Skaven, c'est très en bien. En combat, elle s'enfuira si elle a le, moral des centraux bas. Ah, sympa. Voilà. Ambiance de fou. Non, mais Ted, laisse-le où il est. Passez votre tour, là, en vrai, ceux qui sont déjà sur la fonte. Et par contre, Cyril, ce serait peut-être bien qu'il recule. Merci, Némésis, merci. Moi aussi, je suis fier de moi pour rapport à hier. Merci, c'est gentil. Il est bien, merci là, beaucoup. Cyril, il est bien. Ouais, vas-y, bah faudra laisser. Oh la vache! Attends, mais j'avais pas vu, mais Cunégonde! Oui. Agile, malin, chapardeur, résilient, glorieux, colosse, ah oui, trahi, le nombre de mots bourreau, tyrannique. Mais franchement, je la trouve incroyable. Moi aussi, j'en ai des biens. Moi, je suis fort, travailleur, alcoolique. Glorieux, colosse, bourreau, trahi, instinctif, prime de risque, résilient. C'est beau, hein? Attends, il y a deux mots, je trouve que tu les t'es passé très vite. Attends, alcoolique. Glorieux. Bourreau, c'est pas ouf, hein. Bourreau stylé. Ouais. Trahi. Ses compagnons ont le sentiment d'avoir été trahi. Ouais. J'ai été trahi parce qu'il y a 6 personnes qui me détestent, c'est peut-être pour ça. One. Bon, vous passez votre tour, bordel de merde. Bah, à ton avis, c'est qui encore? Putain, meuf. Maf. Mais moi allez. Aussi j'étais en train de lire mes trucs. Allez les archers, faites vos tirs là. Profitez. Oh Gus aussi, il a que des points positifs là. Bien sûr, attends, tu crois quoi Gus, il est parfait hein. Attends, moi j'ai envie de voir par contre, il est où Solveig. Parce que Solveig ça doit être... Oh, c'est pas si terrible. Sanguinaire et végétarien, c'est... Je sais pas, et moi il y a un truc qui me va pas après, dans les yeux. Gus, il est quand même tir au flanc, j'avais pas vu. Attends, je vois rien au camp. Sociable. Quoi? Moi? T'as dit quoi là? Moi je fourrais encore? Mais qu'est-ce que c'est qui fait du pain qui dit? Bah je fais le pain moi et moi mais j'analyse les objets. Ton super chaudron c'est qui? Merci beaucoup Winzo Witcher, merci pour ton deuxième mois, merci du fond du cœur pour le soutien, merci beaucoup. Oh, les on donne à tous du mouvement. Merci, oh putain, notre commandant il est incroyable. Je vois vraiment ça d'une manière épique. Ça. Maintenant, allez-y. Hein. Non, pas Cyril. Oh non. Putain, il tente comme un chef. Mais grâce à mon armure. Oui, grâce alors, à ses boucliers en corde. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a moyen que Robert prenne un petit peu plus de level up justement dans le forgeage d'armure parce que... Ouais. En vrai, l'idée est bonne, hein, mais... Il préfère faire du pain. Ah, ouais. Voilà. On peut pas tout avoir quoi. Écoutez, je propose que Solveig fasse une action. Non, que Jaco essaye de faire une action incroyable. Vas-y. Tue le truand. Si Jaco arrive à faire plus de 5 mètres sans péter la gueule, c'est vas-y, incroyable. Non, vas-y. Ouais. J'ai pas touché personne. Et ben voilà, à vous. Ah ouais, c'était fou là. Chouah. Waouh. Ouais. Ah ouais, c'est je suis ébobi. Non mais bravo Jacouille. Rien à dire. Merci, c'est pas ont été très dur pour lui. Allez. Voilà. Putain, c'était le crit à 15. Wouh. Il avait 12, c'est bon. Tant pis pour lui. Non, en vrai, on va les attendre, hein, je pense. Oui, il faut les attendre. Ouais, les attendre. Ouais. Oh, dites-moi qu'il s'arrête. Oh, dommage. Bon, on va attendre, hein. Oh là là. Oh, les petits couloirs, c'est l'enfer dans ce jeu. Hein. Ouais. Il y en a pas mal, hein, n'empêche. Le loup. Où est-ce qu'il va le relou? En plus, l'IA le se relou. Rien du tout. On va les attendre. Et encore, hein. Là, dites-vous qu'on a une oh, petite. Putain. Troupe, hein. Je crois qu'il y a Robert qui est dans le mal. Il a pas la portée là.
plus d'éclairs. Ah, il fait beau. Okay. Ah, attends, attends. Moi, je veux laisser le premier tour à Jacouille. Jacouille. Oui. Ah, allez, Jacouille. Ah, bon, avec plaisir. Montre-nous l'étendue. Je peux rien faire. Hop là. Il est bien, hein, cet archer qui se déplace comme un char d'assaut. Ah ouais, c'est bien, hein, cette espèce d'archer immobile. Le souci, c'est que le char d'assaut, au moins, il peut tirer loin. Mais comment ça, mouvement 6? Genre, ça n'existe pas. Tout le monde a attendez, là, parce que celui-là, il commence au moins, à me faire un petit peu pitié, là. Allez. Allez, garçon, attends, c'est Cyril qui lui met une petite claque. Ouais, mais là, tu lui as doublé. Tu viens juste de lui mettre 12 de déplacement. C'est, il se déplace normalement. Voilà, maintenant, il se déplace normalement. Il faut l'encourager. Il a besoin d'être stimulé dans la vie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Solveig. Avec plaisir. Ah, c'est une attaque à distance. Bon, c'est quoi ces conneries, là? Désolé, c'est scandaleux. Tu les tues? Non. Ah si. Oh si, allez, oui. Allez, on est galvanisé. Eh vas-y. C'est un clou. File. Oh là là, mais il s'est fait deux hommes à lui tout seul, incroyable. Écoutez, c'est la légende de Robert Hue, la légende. Jacouille. Le massacreur. Il a impressionné. Hein. Là, Jacouille, il se dit. Oh, Est-ce que tu pourras reculer une fois que t'as tiré, s'il te plaît? Parce que tu me bloques le mouvement. Fait mal, maf, n'empêche. Hein. Ça va, là? Merci. C'est bon. Robert Hull, ouais. Chef du groupe. Merci, The Tourte. Merci. Il commence à y avoir 2-3 items qui boostent un peu mes dégâts. Je demande le squat juste après, Drogoz. Bien, là où tu t'es mis, on peut pas t'aider. Je voulais juste engager le braconnier. Tu peux nous donner du mouvement avec Cyril? Bah, c'est fait. Tu peux pas le refaire? Cunégonde, elle peut jouer. Pas ce tour-là. Ouais, moi je peux jouer, moi. Vas-y, tu peux les taper un truc là. Cunégonde, normalement t'en as beaucoup du mouvement. Ouais. Mais c'est l'autre là, le malfaiteur qui va être un peu plus dur. Bah malheureusement, non, parce que j'ai pas l'attaque. Oh, vas-y, la contre-flé. Oh. Non, ça nous fait du stuff en plus. Ah, alors je peux l'embrocher là si vous voulez. Ah, vas-y. Avec saignement ? Ouais, saignement. Ah, j'ai cru qu'elle allait toucher Ventis, ça aurait été dans mes cœurs. J'aurais pu, mais. Ouais, mais Cunégonde, elle me soutient dans mes actions contre le crime. Comme on a dit, une certaine. Oui, la paire, on cherche une paire, évidemment. Merci. Une paire. Une paire de quoi? Une paire de menottes. C'est le bon petit père. De menottes. Oui, une paire de menottes, tout à fait. Robert Hue, il connaît bien. Oui, je connais. Ah, ça va, j'avais peur d'un truc malsain. Toujours une sur moi. Oui, j'avais peur d'un truc malsain. J'en ai toujours jamais. Des menottes sur moi. On sait jamais. Jamais quand on croisera une beauté exotique qu'on veut ramener dans son camp. Quelle horreur. Quel enfer. Les gens tout à l'heure me disaient putain, ce serait bien de voir le groupe Wartale sur BG3. Moi je dis, faut que si on fasse une soirée BG3 avec nos persos de Wartales. Ah mais. On fait 4 humains et c'est genre vraiment j'avoue. Les mêmes et on est RP exactement pareil. Là. Ouais. Ça peut être très drôle. Donc j'avoue. Avec celui qui est détesté par tout le monde, qui fait que du pain et qui est un gros pervers, on en a un autre qui veut tuer absolument toutes les personnes qu'il rencontre. Ah, oui. Ah bah c'est Tana. C'est Tana le retour. Oh, let's go. Et un qui bouffe que de l'herbe et des graines, génial. Ok, putain, super. On peut pas bouger, pitié mec, on peut pas t'aider là, vas-y. Allez, Jacouille. Ah moi, Jacouille, oui. Jacouille. Ah mais je peux pas, Jacouille, il a déjà bougé, vous savez. Attends, non, ça on est à nouveau tour, je viens de te booster, vas-y. Oh, oh Jacouille, il peut peut-être jouer, attendez. Attends, laissez Jacouille, voilà, Jacouille va peut-être va pouvoir jouer. Alors par contre, je te le dis, si Jacouille... Allez, vas-y, tire touche, ta flèche, oublie que t'as si aucune Jacouille chance. Si Jacouille touche, Jacouille il a plus de dents. Oublie que t'as aucune chance, tire. Finissons avec ce combat. Ah vas-y, je suis deg. Il a fait 8 dégâts, c'est nul. Bah, il a contre-flèche aussi. Hein.
Ah ouais. C'est très dur. Ah ouais, je crois qu'il va vraiment. Il va pleurer. Mais il a contre-flèche. Non, mais moi, par contre, après, je joue en RP. Vous avez vu, j'ai tiré par-dessus l'épaule de Gus. Un tireur. Rien faire non plus. Plutôt à droite, n'est-ce pas? Vous êtes content de m'avoir recruté. Hein. Je mérite mon salaire. Incroyable ce play, meuf. Ah! Oh, j'aurais trop aimé. Ah! Ah, la flèche dans l'épaule de gueule. En fait, c'est marrant parce que j'étais en train de me dire, ça, c'est mon bouclier, il a contre-flèche, ça me servait à rien, mais en fait, si, ça me sert contre mes alliés. Vas-y, Loulou, ça, ouais, peut-être saignement. C'est super! Par contre, c'est super, y'a personne qui peut taper le malfaiteur. Hein. Attends, bah, c'est quoi, si, yeux dans le dos? Jean-Louis, Amon. Oh, attends, mais c'est incroyable! Je peux plus être touché par des flèches alliées! Ah bon? Plus jamais. On t'a touché trop souvent. Yeux dans le dos, yeux dans le dos. Il vient de le il vient de débloquer le haut fait. Ne peut pas être touché par les flèches alliées. C'est incroyable. Oh, trop bien. Il fait aucune confiance au groupe. Il a aucune confiance au groupe. Par contre, j'avoue. J'ai pas dire, Gus, mais t'as deux personnes qui te détestent et personne qui t'aime dans le groupe aussi. Hein. C'est pas ouais, clair. Hein. Mais, tu veux savoir qui c'est? Tu veux que je te dise qui c'est? Oui, bah, c'est moi. C'est Robert Rue, j'imagine. Ouais. Et Ed Solveig. Ah, il en a trois qui l'aiment, mais quatre qui l'aiment pas. Il est plus, c'est plus polémique, Solveig. Tout ça pour des histoires de flèches ratées. Franchement, vous êtes un petit peu. Cunégonde, elle aime juste une personne, sensible. Personne la déteste. Tout le monde aime Cunégonde, c'est fou. Je suis une femme en même c'est temps. C'est la chef, hein. C'est vrai. Et je suis, je crois que je suis second. Personne ne déteste. One eternity later. Ouais, s'il vous plaît, jouez quoi, c'est si lent. Bah là, mais moi je peux pas jouer genre, en fait. Donc, Bah bouge et puis skip. Passe. Plus personne qui peut bouger là. En fait, Gus, il vient de s'accaparer tout le truc. Ouais, elle a prochaine. Ah, ça y est. Par exemple, Jean-Louis là, hein, pour DPS. 75, la vache. Waouh. Wow. C'est un petit peu. Tout le monde aime Cunégonde, sauf les marchands, ouais. Ah, regarde, mais... Incroyable ce bouclier. Incroyable ce couteau de lancer empoisonné. Putain, mais personne le prend. Je suis étonné d'avoir eu le temps de le lire. Ouais, c'est fou, hein. T'as pris l'arc? Pour réparer les armures. J'ai pas pris l'arc, non. C'est dommage. Mais après, est-ce que je vais vraiment en avoir besoin? Merci beaucoup, Lilib. Merci infiniment. Merci beaucoup pour le sub. C'est gentil comme tout. Ce qu'il lui faut, c'est des chaussures à ce stade. Oui. Oui, je confirme. Putain, mais des chaussures, ce serait fou. Bon, dodo? Ah, dodo, ouais. Oui, mais moi, je fais trop loin. Qu'est-ce qu'il fout, meuf? Je reviens, je fais juste une pause de 1 minute. Je reviens. Alors... Ah, ça cale son homme, le chou farci. Hein. Ah, est-ce que vous avez deux sels? Alpha, est-ce que tu as deux sels? Non, mais moi, je veux du sel depuis... Je peux plus cuisiner. Ah. Il faut du sel. Tu vois qu'il faut acheter du chou farci. Mais c'est pas du sel. Mais oui, mais si on n'a pas de sel, tu peux pas cuisiner, mais donc on a besoin de chou farci. Mais qui a fait le menu, là? Je sais pas. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce menu de merde? Mais qui a la bouffe? Qui a stacké les 3 chou farcis? Bah, à ton avis, ouais. c'est le con qui les a achetés, mais un, mais ça sert à rien de stacker les chou farcis, on va perdre les bonus. Putain, mais... Solveig, là, arrête de nous casser les couilles avec ton chou. Et moi, j'aime bien le chou. Non, mais c'est super, mais y a d'autres choses, là. Putain. Je vous ai manqué, je sais, mais ah voilà. Ta gueule. Waouh. C'est de violence. C'est de violence. Ça, c'est fait. Eh ben, super, très bien. Ta gueule. Il est où, Jacouille, là? Parce que je crois que vraiment, il va pleurer. Jacouille. Qui est au fouet là? Pourquoi Solveig il est au fouet? Parce que je voulais punir Robert Berru pour. Quand ça me punir moi? Oui, Jacouille. Moi je suis avec ma. Oui, d'ailleurs, attends, je suis avec ma compagne. C'est marrant, je tolère Robert Berru et Solveig. Bah, peut-être parce qu'il me tire sans arrêt dans le cul. Peut-être pour ça. C'est possible on ça. On a appris à se connaître. On a appris à se connaître en effet. Hop là, ouf. Entre archers, tiens, c'est très bien ça. T'as fouetté qui du coup? Entre bah, personne, y a personne qui est dispo. Bah allez, si, Gus, lâche, Gus, il est dispo pour être fouetté. Entre lâche, mais il est dispo. Laissez-moi, là, il est totalement laissez-moi dispo. Tranquille. Il est full dispo là. Là, il est partant de ouf là.
C'est vrai que c'est le seul qui travaille vraiment dans, dans l'équipe. Mais j'ai un prisonnier à livrer, moi, au fait, la c'est rôlerie. Qui, Joren? Joren, c'est le PNJ qui nous accompagne depuis 1000 ans. Et pour une quête. On s'en débarrasser. Ah oui, c'est vrai. Mais t'es qui toi, il a mal au dos. Quand je suis, il a mal au dos. Vous m'aviez promis de me ramener à mon papa. On est bientôt arrivé. Ouais, ouais, t'inquiète, on est bientôt arrivé. J'avais 7 ans quand on est parti. Ouais, t'inquiète, on va bientôt arriver. T'inquiète pas. Tu vois la colline qui est là-bas? Bah, ton papa est derrière. On est parti acheter des clopes. C'est tellement dur. Non mais le PNJ là, il casse les couilles. Je sais pas comment on peut s'en débarrasser. Il faut qu'on finisse la quête, je crois. Non, mais quelle est la quête? On va s'en débarrasser. Il est en train de faire de la viande. Fait sécher de la viande. Ah bon? Parce qu'il travaille du coup. Ah bah oui. C'est un esclave. Non. Ok. Et bon, on avait pas go-dodo. De la carcasse à lui filer pour qu'il sèche de la viande là, parce que. Oh, il y en a. Hein. La carcasse, elle est mise dans le séchoir normalement. Ah ok. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Bah, en fait, si vous voulez, un petit peu dans le sud, il y a une invasion rat, si vous voulez. Oui, alors elle, avec ses rats, là, elle me casse les couilles. Ah, mais bah, justement, tu fais bien de le dire. Ok. Bah, go dodo, là, moi je suis prêt. Ouais, ok, go dodo, bah, go ouais. Dodo. J'écoule le stock de bière volée, ah, là. De la bière, parfait. Avant qu'on nous la reproche. Ah, on a bien mangé en vrai là. Là j'ai mis plein de bonus. Solveig, aux gens. L'ami des bêtes, a fouetté vos compagnons. Mais d'où? Mais d'où tu fouettes? Mais t'as fouetté qui? Attends, mais comment ça? What the fuck? Attends, mais. Comment ça, Solveig? Mais t'as fouetté ton ami? Mais je suis blessé! J'ai. Mais d'où? Mais pourquoi t'as fouetté? Mais il a dit qu'il aimait bien quand je le tapais, ça lui fait plus rien. Solveig, Solveig, je vais te démonter la nuque. Coup de fouet, si cette unité est fouettée de nouveau, elle perdra la vie. What the fuck? Attendez, c'est triste. Non mais attends, tu c'est terrible. Tu me soignes. S'il meurt de coup de fouet, j'adore. Ne le soigne pas. Non, ne le soigne pas, garde-le comme ça, on laisse là. Vraiment, on menace, garde-le comme ça. Fouetté là. On n'a pas des bonus aux gens qui sont fouettés d'ailleurs. Tiens. Bah si ça file des bonus bien sûr. Il me dira merci plus tard. Non mais ça va, je vais pas soigner pour ça, mais bon. Tu me refouettes pas s'il te plaît, hein. On peut avoir des matériaux de réparation parce que Robert il y a plus d'armure. Allez, on continue. On peut sortir. Mais ça te fait quoi le bonus? Il y a fin 2 qui peut attendez, fin 2, il peut prendre de Allô. Dans une réparation, mais fais pas ton gamin là. Faudrait que j'augmente les points de mouvement hein, quand même. Hein. Par contre, en vrai, il reste plus grand chose. Hein. Bah, quoi, on il a reste plus plein de minerais de fer. Ah, c'est marrant, tiens, Svetlana s'est fait fouetter. Ah non, elle a juste un traumatisme crânien, pardon. Oui, non, c'est normal ça. Ah, non, c'est... Cette nuit, elle a voulu aller chercher de l'eau et je lui ai fait un croche-patte. Mais ça va, c'est un jeu qu'on a. Elle aime d'accord, bien. D'accord, ok. Il y a un château là-haut. Mais La demeure des Alazars. Non, mais on y est déjà allé là. Non, mais par contre, on vient le découvrir. La demeure des Alazars. Oh non, je connais. Ah, mais c'est pas la mariée. Mais non. Ah, ils se ressemblent tous là. Précéa, tu nous fais le doublage. Si j'accepte de vous recevoir, c'est autant de votre intérêt que le mien. J'ai besoin de mercenaires pour une mission discrète. C'est pas comme ça qu'on fait une voix de vieille femme. Il s'agit de capturer une femme qui représente un véritable danger pour l'avenir des royaumes de Lazare et de Goldenberg. Oh, je l'ai déjà avec nous. Il va sans dire que son identité ne vous regarde pas. Vous me la ramenez vivante, vous empocherez une récompense pour sa capture et vous ne reparlerez plus jamais de cette mission. Est-ce que cela vous intéresse? Ok, good. Capturer des femmes, oui. J'en suis fort aise. D'ordinaire, cette femme circule à bord d'une petite caravane entre le domaine de Windfell et le village de Marnheim. Marine. Robert U, fils de Sacha, du Bourg-Palette, qui a frappé les toutes. Oh, c'est terrible. Et puis... Ah, non. T'as les pieds, son amour. Un jour, je serai le meilleur stalker. Oh là là. Je les fouetterai sans répit. Oh non. Aïe aïe aïe. Ok.
Je me considère ici chez moi. Alazar et Gozenberg n'étaient qu'un seul et même royaume, avant que la perfidie des négociants ne le scinde en deux. Ok, mec, c'est cool. Cool ta vie. Bon, bah, go capturer de la femme. Hein. Attends, il y avait un mec. Ah oui, voilà. Bon, il est de veiller à la protection de la famille Alazar. Ok, super, mec. Cool. Et il n'y a pas un petit coffre là hein? Non, non, t'inquiète, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Il faut faire alt, faut spammer alt et vous voyez les trucs en surveillance. Go à l'abbaye. On sait où chercher d'ailleurs, là, du coup, la meuf. Oh, il y a du monde là-bas. Attends, il y a un combat. Des paysans contre. Vite, quoi. Et dans les paysans contre. Bah à mourir plus vite. Je crois qu'il y avait un stade. Il voudra taper les paysans. Stade. Ah ouais, c'est un stade. Il joue au Quidditch. Le stade Philippides. Arrière, paysans. Nous nous sommes montrés cléments la dernière fois, mais si non. Vous menacez le nouveau l'abbaye, vous payerez ce blasphème. Alors, de votre vie. Écoute, ouais. Jean-Michel, je capture des femmes, chacun a ses vices, d'accord. Moi, je casse la gueule à des paysans, toi, tu captures des meufs et tu leur fais des vices le soir. Alors d'accord, laisse-moi faire. Mais on capture les paysannes après. Waouh. Oh, bah, y a pas de problème. Allez, ça on va être la reine de Robert. Casse la gueule. C'est pas l'abbaye qu'on menace, c'est la peste éphérique, protège. Baliverne. Le négociant Admerem affirme que la peste n'a rien à voir avec le mal qui touche vos vignes. Qu'est-ce qu'elle pensait, Aldurheim? Son apothicaire a disparu. Maintenant, laissez-nous entrer la chance de son mercenaire, messire. On est vraiment dans Camelot, c'est terrible. Parce que vous avez embauché des mercenaires? Cette fois, vous êtes allé trop loin. Ah, c'est nous les mercenaires. C'est nous les mercenaires. Ah! Ah non, oula. On attaque pas les... Hein? Ah non, on est allié avec les paysans, c'est hors de question. Bah, quoi? Bon, on va pas partir, il y a une récompense à la clé. Ah bon, c'est quoi la récompense? Tu la vas où? Bah, il y a forcément une récompense. Bah après, on peut les aider et ensuite les tuer. Non. Et au pire, on peut pas les regarder se battre? Bah, go partir et essayer de voir. Hein? Stand back, peasant. Ah. Quoi? Ah bah c'est ce qui se passe. Arrière Périsin, nous nous sommes montrés cléments. Mais non, c'est le même dialogue. Quelqu'un a recliqué? Oh, c'est le même dialogue, est-ce que c'est possible? Non, c'est le même dialogue, c'est le même dialogue. Ça, oh, il a juste recommencé. M'appartient. Ah, excusez-moi, des mercenaires, on les paie. Oui, c'est ça, c'est que... Ah, bon, tiens, des champignons. Force à vous. Bonne chance, les gars. Allez, hein. Oh, le pavlard, des c'est bien d'avoir un projet. Force à toi, mon frère. Force à toi, mon frère. Après, on est peut-être obligé de participer. Pour ah, c'est marrant, quand je suis passé à côté des gardes, c'était jaune. On n'est pas totalement safe, hein, pour arrêter les conneries. Attendez, il y a un truc inspecté. Oh, il y a une mine pour du minerai. Attends. Là, il y a un truc qui brille, What? Oh, il y a Jacouille qui peut pêcher. Qui est pêcheur? Jacouille, il pêche? Bah, en fait... Bah non, mais c'était qui le pêcheur de base de notre groupe? C'était Ventis. Attends, je vais juste regarder un truc. Oui, au pire... C'était qui le pêcheur? C'était qui, ouais, c'est vrai ça. Putain, c'est vrai que Zvletlana, elle est bûcheronne. Hein. On a deux... Attends, mais on a deux bûcherons. On peut rospé... Mais c'est les... Ouais. Attendez, Zvletlana va rospé pêcheur. La pêcheuse, je savais que c'était c'est... pêcheuse. où j'y vais? Je fais comment? Comment ça marche? J'ai pas d'appart. Alors, il faut que tu... Ah bah il y en a... Ah bah on te laisse faire. Attends, il y en a pas dans le... Ah merde, il y a pas d'appart. Tiens, il y en a dans le coffre là, j'en ai mis. Hop, regarde, je te mets... Ah. D'ailleurs, il y a un arc dans le truc. Hein. Ce serait pas mal que Jacouille ait un arc un peu... Ah oui, je vois que la pêche en effet... Ah oui, ça serait bien, ouais. Pour pas comprendre dès merci, le premier ouais. Mini-jeu, bon... Pas être désobligeant. Aïe. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que ça vise quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'il sacrément est mort. Con, n'empêche. C'est marrant, j'ai eu un frisson dans la nuque alors que ça me concerne pas. Ambulance, Svetlana est très douée à la pêche. Hein. Une bonne pêcheresse, celle-là. Bonne pêcheresse. Une bonne pêcheresse. Le gars, il a soif, quoi. Et là, j'imagine Robert Rue, là, il y a Zetla qui amène le poisson. Robert Rue, il met une tarte avec le poisson qu'elle vient de pêcher. Là. Allez, c'est bien. Mais putain. Quoi? T'as des images, toi, par contre? Ah oui, il y avait un logo. Ah, mais c'est des bandits qui sont dans la mine? Oui. Oui, c'était le premier perso de MAF, le pêcheur, ouais, en effet. Pas tant de points de bravoure que ça. Hein. Ah, il y a des gens qui nous demandent une squad. Vous avez. Il y a des éboulements. Oui, il faut accepter la squad. Ah ouais. Oui, j'ai accepté tout à l'heure, moi.
Oh, moi je l'ai pas accepté, j'ai oublié. On va faire un carnage Robert Hulla, ça va être. Je pense qu'il faut qu'on place tout le monde en en bas hein. Loin de l'éboulement déjà. Et en fait, on a deux trucs qu'on peut prendre la squad du milieu en sandwich. Ouais. En quoi ? Par contre, les leaders, ils sont loin. Ouais, c'est pas grave. Le plat, je suis dans la squad, sorry. Bon, attendez, vous voulez vous mettre où ? Près d'Amond ? Près de Cyril ? Du coup. Là, autour de Gus, il y a 4 places et il reste une place autour de Robert. Alors, attends. Venez, continuez-moi. Est-ce que je peux me mettre à la place de Amond ? Je me suis imposé, mais. Moi, je vais me mettre juste derrière Gus. Je sais qu'il aime sentir mon souffle chaud sur sa nuque. Ouais, bah écoute, maintenant tu peux. Hein. Alors, bon. Moi, je suis à côté du relou, mais on est tout seul. Hein. Non, mais viens, il y a encore des places. Décalé ? Ouais, viens là. Pourquoi Amond, il est en front line là ? Ah, oups. Quelqu'un l'a bougé. C'est moi. Il va aller là-bas. C'est bon ? Non ! J'ai encore bougé un monde, désolé. Attends, on va faire. Puis... C'est toi qui dois aller mettre. Voilà. Mais oui, mais je devais être à côté du loup, alors ça suffit bah maintenant. Oui, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, je peux y aller là ? Oui. On n'arrête pas de me bouger un monde. Oui, vas-y, allez, va casser des culs là. Oh ouais. Vous oubliez pas le petit bœuf de mouvement ? Ah, mais ils sont quand même sacrément nombreux les bandits, Didou. Didou. Ils vont arriver par derrière aussi. Didon, ça blâme. Et je blâme. Putain, je comprends qu'elle a un traumatisme crânien, Svetlana. Ah ouais. Quand tu vois Robert agir. Ah, quand tu prends 3 coups de manche comme ça de suite. Des clous. Voilà ce que c'est. Vous êtes tous des clous. C'est sacrément violent le. Et du coup, Svetlana aussi, c'est un clou. Ah non, elle c'est un burin. Elle c'est une planche. Waouh! Ah, il est fort. Elle est sortie tellement de nature. Il est trop fort. Bon, vous jouez là. Mais qui joue là? Si on a moi je peux jouer, je peux faire une brochette. Allez, vas-y, fais ta brochette là. Alors attendez, est-ce que je peux faire ma brochette à partir d'ici? Ce serait incroyable de faire une petite brochette là. Compliqué. Tu veux pas te décaler là? Là tu l'auras si tu veux là. Ah, tu penses? Je pense que je peux l'avoir à partir de là. Ouais, là tu l'as là. Ouais, la limite. Tu le touches? Pas trop. T'as pas la range pour celui-là, c'est ça? Ouais. Dommage. Oh, c'est mieux que rien. Bah, si, t'as touché. Bah, tu penses? J'ai deux, c'est déjà pas mal. Oui, ouais, mais je voulais toucher le troisième plus loin. Ça aurait été cool, ouais. Ah, oui. Voilà. Pour les dégâts! Ouais. Alors, je vais venir avec le loup. Et stop. Et bah, je vais pas bouger, dommage. Ok. J'ai eu l'assaignement. Oh là, si tu peux le finir là. Oui, 100%. Oh la vache. Oh là là, ah, non mais le combo place, laisse la place pour les autres, ouais, voilà. Parfait. Je sais pas si ça passe là. Si, ça passe. Si, c'est bon, ça passe. C'est une planche à pain, ouais. Le stream qui a l'odeur du PMU à 4h. Mais ça, c'est les stream Wartels, hein. Ah, mais là, ceux qui ont pas encore compris, désolé, hein. C'est les stream pilier de bar. Oh oui. Ça sent le fond de taverne, quoi. C'est ça, vraiment... ça sent le tabac froid et l'alcool par terre qui colle. Ah putain. Truand qui joue, truand. Ce non, c'est pas un sketch, c'est un striptease, c'est ça? C'est striptease, je crois, où le mec. Vous l'avez pas cet épisode? Vous avez vu striptease? Ah oui, je connais bien striptease, j'en ai vu pas mal. Avec ouais. Sa daronne, là, et il va au PMU, il s'assoit, il fait. Il est couille qui colle. Ah oui. C'est vraiment, je vois pendant sa mère fait la manche celui-là. Ah, tu t'en souviens plus, c'est ah, mais ça, faut se les refaire, les striptease. Il fait les couilles qui collent là. Pendant que sa mère mendie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh ouais, là. Et sa mère qui fait des remarques ultra graveleuses dès qu'il y a une fille qui passe. Ouais, quoi, c'est infâme. Il est dur, cet épisode, il est dur. C'est dur, il est dur celui-là. Il est rude. Qui veut jouer? Est-ce que vous laissez une chance à Jacouille? Ah oui, vas-y, Jacouille. Moi, c'est Solveig. Non, fais pas ça, ça sert à rien. Il sert à rien. Jean-Louis jouer.
Parce que si tu vas bloquer le chemin, ça le fait. Juste tire et dégage. Non mais attends, mets-toi là. Mais pitié. Non, je peux pas. C'est trop loin. Je peux plus bouger. Donc là, je peux plus bouger. Merci beaucoup, Clem Riche. Merci pour ton deuxième mois. Après. Merci infiniment pour le soutien. C'est gentil comme tout. Peut-être l'avoir, lui. Ah. Bien joué. Ça nous donne des points en plus. Mais t'inquiète, au tour d'après, je décale. Ouais, tranquille. Tranquille, je jouerai dans une autre game. Jacouille, il joue. Non, non. Mais putain. Paf. Moi aussi, j'aurais pu le terminer avec Jacouille. Il faut que Jacouille teste sur une cible encore bien vivante. Il faut qu'on voit sa capacité de dégâts. Eh ben, tu veux voir? Alors laissez-le. Après, c'est... Attends, elle est où la braconnière? Oh, mais le loup, ça va. Vous êtes... Attendez. Chier, mais qui a joué? Il y a ta cible, là. Il y a le truand. Ted, il prend la max. Merci, Red. Merci beaucoup. Ah, merci infiniment pour le sub. Merci, c'est gentil. J'ai cru que c'était Jacouille. Non, Jacouille. Alors, laissez Jacouille. Il va vous montrer. Il s'est fait. Oh putain, il va abattre le chef. Il va tuer le chef, c'est sûr. Oh bordel. C'est sûr, il va tuer le chef. Attendez. Si Jacouille met une flèche dans le chef, il dégage. Ah, il utilise habileté. Bravo, il est habile. Bon, après, il a peut-être utilisé le spell qui fait que la prochaine attaque est très précise, quoi. Mais t'as changé l'arc? T'as pris l'arc qui était dans le coffre? Ça veut dire non. C'est bon, mais je l'ai pris. Je confirme, je l'ai sous les yeux. Je l'ai pris. Je l'ai. La vocation. Je suis démasqué, mais surprise, trop tard. Et c'est à qui de jouer là? Au Cyril. Ted, il peut pas jouer. C'est très certainement au pet de maf comme d'hab. Pet de maf qui met une heure à jouer. C'est pas eux, c'est eux qui mettent trop de temps. Oui. Exactement. Comme vachement mieux quand c'était joué au tour. Ouais, ça allait plus vite. Bon, oui, Cyril, on se souvient pas du tout d'avoir recommencé trois fois une partie parce qu'on avait le cheval qui se mettait dans l'éclair. Rien, ouais. Cyril. Oui. Et il... Oh, ça c'est pas mal ça, les boulements ici. Alors, ouais. Hop là. Oh ouais, ça pique. Hein. Ça coûte combien de points pour que tu enchaînes tout ça? 2. Ah ouais. C'est un peu waste là, du coup. Ouais, un petit peu, ouais. I'm sorry. Bah, c'est comme l'Overwatch de Cyril, de Solveig. Ça coûte 2 aussi. Alors Jacouille, il s'impose, il pose ses couilles. C'est un Overwatch, sauf que tu touches, quoi. Allez, Jacouille. Et voilà. Mon premier meurtre, bravo. Le premier meurtre de Jacouille, bravo. Incroyable. Ouais, je veux absolument. Merci, voilà. Enfin, presque. Maintenant, souille son cadavre. Pisse dessus. Tu l'attaches au poteau, là, dans le coin, et ensuite... Là, le gars, il est en train de se rendre compte dans quelle compagnie il a atterri. Are we the bad guys? Are we the baddies? C'est donc mais moi, un je venais pour restaurer l'équilibre dans ce monde. Mais nous, on est là. Jacouille! Jacouille! Ouais. Tu peux amener. Genre, tu peux faire attaquer Ted là, peut-être? Elle sera peut-être dans le. Oui, je peux faire attaquer Ted là. Ouais, voilà. J'espère qu'il va pas trop... Lequel a déjà joué? Ah bah c'est celui-là qui avait pas joué, ouais. Nickel. Ouais, j'ai fait exprès. T'as complètement piffé. Oh Cyril. Je propose que Cunigonde... Non. Très bien. Vas-y. Toujours les fans ont toujours du mal à s'imposer, mais c'est pas grave. Alors, Cunigonde... Fais ta chose. Alors elle va forcément utiliser le saignement, mais ça va utiliser un point de compétence. Hein. Alors déjà... Ouais, vas-y. Le loup le finira, voilà, très bien. Allez, vas-y, finis-le. Pouf. Ted, hein, quand même. Oh, le poison, il prend trop cher, sérieux. Mais oui, il deviendra un bof très rapidement, Jacouille. Il a le nom qu'il faut, en tout cas.
Miam miam miam. Non, j'irai ouais, pas fort. Aller ouais, jusque ouais. là-bas, mais on va attendre. Hein. Enfin, il a un déplacement de fou, hein, le loup. Il a 16. Non, pas Jean-Louis. Alors, c'est pas une histoire de compétition, vraiment. savoir se déplacer loin. Tu veux le boost de vitesse, Jacouille? Boost de vitesse. J'aimerais aller plus Jacouille, vite. Jacouille, il tape autant fort, aussi fort que Gus, quoi. Speed boost. Je sais pas si t'as assez de mouvement pour sortir de son bac après, mais c'est parfait. Si tu peux te dégager de son bac après. Ah, par contre, attends. Je peux laisser, je peux laisser accès au bac. Pas mal, ouais. Attends, je vais aller. Ah bah non. Ah, ah non. Après, en vrai, vaut mieux que t'ailles en bas. Ouh, le loup, ouh, le relou. Ça va, ça va, il peut se soigner. Ouais. Non, moi je vais aller chercher le braconnier au corps à corps avec Cyril. Oh putain, à chaque fois quand je vois Cyril traverser une zone de déboulement, on voit, j'ai trop PTSD. Peur parce que j'ai les PTSD de quand c'était l'IA qui le jouait. Ben Solvex, il a pas joué là. Il se rend même pas compte quand il joue ou pas son perso. Non. J'en ai trop moi, j'ai toute la ménagerie. Ah merde, je vais le désengager du loup. Enfin, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, c'est bien. Oula. Oula. Non, ça va. Oh ben oui, même pas peur. Ok. Bah, laissez-moi faire. Ah mais non, non, jouez. Jouez, jouez. Si vous pouvez gagner des points de compétence, ça serait cool. Enfin, des points de bravoure. Moi je peux en gagner si Solveig fait un kill. Ce qui est jouable. Ya! Allez, ok. Il reste combien? 44. Attends, il y a moyen que je tue le. Ouais, si j'ai un peu de bol. On est galvanisé là en soi donc. Ouais, c'est gagné, c'est easy. Easy win. Ah oh, merde, je l'ai pas eu. C'est le 1 HP de la honte. Ah, il perd de la vie à la fin de son tour, c'est dommage, j'aurai le temps de jouer avant. Ah, je crois que Solveig est en train d'apprendre la maîtrise de l'arc de Jacouille. La maîtrise de l'arc de Jacouille. C'est tout un art, oui. Vous savez. Ne pas faire mal, c'est un art. Bon ouais, bah... J'ai fait du dégât, t'exagères. Ah, c'est qui le tour? C'est qui joue? Cyril. Ah, Jacouille! Eh ben écoutez, Jacouille. Bah, toujours pas de points. Eh ben. Oh mais, putain, mais... Jacouille, il peut! Ah vas-y, vas-y. Il va toucher Robert U. Mais non, 5%, ayez confiance. Oh, allez! J'avais pas regardé. Faudra regarder la redite, désolé. Par contre, Gus, fais gaffe. Hein. Oui, bah je vais bouger. Hein. Hop, voilà. C'est 21. 21%. T'avais 21%. Attends, ah ouais, attends, t'avais 21% de toucher l'adversaire ou de toucher. Bah, du coup, de toucher l'allié. C'est ça, hein, ah, chat. Ça hein. Va, ça va. Ouais, j'ai cru qu'elle avait 21% de réussir ce qu'elle a fait. Ah ouais, non! Il reste qu'une égonde et Jean-Louis. Ouais, bah c'est parti pour moi. Ah, je le termine celui-ci. Oh oui! Oh, on arrête plus pressé hein. Petite perforation là. Ouais. Ah, c'est vrai. Fais-moi que là j'ai un point. Sans ton plexus. Attends, je vais faire saignement. Le loup il a joué ou pas? Non, non, mais c'est peut-être un overkill. Garde les points, garde les points. Ok. Non, 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 si, utilise-le, on s'en fout. Bah c'est la fin hein. Bon, non, okay. On s'en fout. C'est qui parce que qui est là c'est Solveig, c'est Solveig. Que je peux dash pour arriver plus vite et faire plus de dégâts en fait si j'arrive, mais bon, c'est pas après le loup, il vient de le terminer, je pense. Mourir, hein. À 50 oui, oui, points. Non, le loup, il vient de finir. Ouais. Pas si j'aurais été. Ok. Ouais. Qui a encore J'aurais pu bouger, mais bon, c'est pas grave du coup. Ouais, tour prochain, ils sont tous morts, c'est. Ah. Oui, alors Jean-Louis, évidemment. Après, si Jean-Louis il utilisait pas 3 points par tour, on en aurait eu des points.
Jean-Louis, il fait des kills, donc ta gueule. Bah, Jean-Louis, ça, il sert à quelque chose. Ah, 21, Jean-Louis, l'adversaire, Robert 52, Robert Rue. La moitié de notre capital de points. Ah, Robert non Rue, il massacre 3 ennemis par tour, alors ferme ta gueule, ça suffit. Sûr de ça, raconte. Mais bon, il mérite ça. Son solde. Je dis ça, je dis rien. Ouais, bah tu dis rien, c'est très bien. Donc tu dis, ouais, bah continue, ouais. Continue de la fermer, là. On peut avoir des réparations d'armure, Cyril, il a... Ah, merci. Et bon, j'ai vu que Robert Rue, il avait pas besoin, du coup, je répare. Oh, Gaga, ramasser le minerai, ouais. Jean-Louis va miner. Hi hi, hi ho, je rentre du boulot. Ou diggy diggy hole, hein, comme vous voulez. Diggy diggy hole. Diggy diggy hole. Hop là. Mais à part des cailloux, elle sert à quoi cette grotte inondée là? Qu'est-ce qu'ils foutaient tous dans cette grotte inondée là? Après, est-ce que par hasard, il y avait pas un mec qui valait mieux capturer dans l'eau pour aller le... Alors, je sais pas si c'est une info de chat, mais on m'a dit que j'avais 21% de réussite pour l'adversaire, 52% pour Robert Ruch et 27% pour Edouard. Voilà. Mais vas-y, laissez-nous lire, putain. C'est insupportable. Laissez-nous lire. T'es dans le coffre. C'est quoi? C'était quoi? Non mais, sur les trucs directs, il en a rien à foutre. Mets-le dans le coffre. Si, regardez, oui, tiens, voilà. Le médaillon là? Bon, c'est le médaillon de The Witcher. Qui est cru? Plutôt The Watcher, hein, vu la gueule du médaillon. De la sérénité. Bon, moi c'est pour qui? Et c'est quoi les autres trucs? Mets tout, mec, s'il te plaît. C'est une armure de tank. Eh ben, on a le droit de lire les stats aussi. C'est une armure de tank. J'en ai rien à foutre, laisse-nous voir l'item. C'est une armure de tank. Laisse-nous voir l'item. Description, cette cuirasse est faite pour les tanks. Laisse-moi voir l'armure. Robert Rue, il est en slip. T'as déjà une grosse armure. Pitié. Petit... Entre parenthèses, c'est il y a le prénom gravé Gus dessus. Mais... Montre-la. Ton ancienne armure, espèce de chien. Mais je peux pas l'équiper, faut qu'on sorte de la grotte. Mais non, mais là dans le coffre. Mais dans le coffre. Je te connais. Non, je te connais, je te connais. Mais t'as zéro race. Je veux juste lire l'armure. Mais dans le coffre. Mais tu connaissais que si tu m'avais laissé la lire sans casser les couilles, j'aurais même pas eu l'idée de la voler. Il a tellement pas confiance dans le groupe. Non mais j'ai pas le temps de la lire. Oh, t'es chiant. Putain, laisse-moi juste dire le truc, c'est bon, là. Elle a disparu. Voilà. Mais putain, c'est ma fille, la prise. Cette cuirasse n'est pas faite pour contrer un adversaire humain, mais pour résister aux assauts d'une créature monstrueuse. Mouvement voilà. -2. Putain, c'est une armure de Witcher, Nid. C'est une armure de tank. Mais c'est quoi les stats? Mais putain, mais ça reste pas. C'est pas moi, là. C'était pas moi. Okay. Cuirasse des trackers. Mouvement moins 2, dégâts critiques plus 6%, garde plus 18, armure plus 41. Oh putain, elle est sympa cette armure et par contre. Moi, mon armure actuellement, elle est plus 24. Donc oui. Lourde. Moi, sachez que je suis votre lieutenant mais aussi. Moi aussi, je suis en armure lourde, espèce de bolos. Moi aussi, je suis en armure lourde. Dans le truc. Écoutez, je suis censé être votre chef, donc. Censé être le lieutenant, donc non, la mieux genre équipée. Genre, moi, mon armure est claquée au sol depuis longtemps. Genre, à chaque fois, j'aimerais bien voir ce que j'ai, mais faut sortir. Moi, j'aimerais bien voir un forgeron aussi. Non, je peux pas, j'ai pas accès, le jeu est à moitié buggé du cul. Ah, c'est toi qui es buggé du cul, hein. Le problème, c'est entre l'écran pas, et la chaise. J'ai pas accès hein. À mes persos. Oui. Le mec qui utilise mes expressions contre moi, super. Ah, c'est pas ton expression, t'as pas inventé. Et c'est la mienne, non. C'est la mienne, c'est moi qui ai inventé. T'as pas déposé le copyright. Et... Ça non. Se dispute toujours c'est comme marqué. Ça, Solveig. C'est marqué. Hein? Oh, y a un truc là. Vous allez chercher des champignons. Ah. T'as fait copyrighter la phrase comme t'as fait copyrighter l'armure, c'est dommage ça. Oui. Ah, y a un ours. Oh, venez, on a un nouvel ami ours. Oh là. Mais putain. Ils sont trois. Mais c'est très bien. Quelqu'un des cordes? Oui. Des cordes, je sais plus si j'en ai sur moi. Oh, oui, je crois. Il va falloir qu'on ait de quoi faire pour nourrir tout ça. Entre les prisonniers qu'on se trimballe et les ours. En vrai. On ça donne du vouloir au verru. Ça va faire encore un PNJ qui va mettre 20 secondes à jouer parce que Maf l'oublie. Ah non, PCA peut contrôler les trucs aussi. Ah oui, maintenant je peux, ouais. Ah mais ils sont level 6, c'est pour ça. Mais ils sont que 3. Merci hein, l'Exode, merci infiniment. Ouais, ça aurait été bien que j'équipe l'armure que l'autre m'a interdit de prendre. Ah tiens, c'est vrai, moi faut que j'équipe un arc. Moi je l'ai plus là, ouais bah oui aussi. Putain mais pourquoi j'ai pas pris l'armure, vas-y là, ça me saoule.
On n'a pas le droit d'équiper des objets. Mais t'as mouvement moins 2, après tu vas plus rien toucher. Mais j'ai déjà mouvement moins 2 sur mon armure, espèce de bolos, c'est une armure lourde. Tu m'énerves. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Il comprend rien au jeu, lui. Toutes les armures lourdes, elles ont moins 2 en mouvement. Ah non, c'est pas vrai. Moi j'ai une armure lourde, elle a pas moins 2. La fameuse école du blaireau, on en est là. Pouf souffle. Eh ben, ok, tu vois, je pourrais te donner la mienne. Et t'as plus combien en armure? Plus 36. Les prisonniers peuvent servir de nourriture pour les ours, oui, absolument. On proposera à Svetlana de servir de pâture. Soit de me laisser des jouets, soit de me laisser le nouveau jouet. Ah mais vous avez vu comme il faut que tout soit pour Roberu à chaque fois? C'est pour ça que tout le monde le déteste. Bah oui. T'écoutes quand je parle. Une seconde, je te rappelle que tu me détestes pas, toi. T'es une erreur qui me déteste pas. Bah justement, on pose pas le bouche trop loin. C'est ça. C'est quoi la commande pour connaître le nombre de crimes contre l'humanité? Merci messieurs, merci beaucoup pour ton 9e mois, merci, c'est gentil. Merci pour ce beau bébé Twitch. Ouais. Frère des ours. Bien Cunégonde. Oh merde. Ah oui, moi à côté du loulou, oui. Bah je vais remplacer Amonde encore une fois. Hop là. Mais ah c'est Jean-Louis. C'est un sup à bouger à la place de gens qui ont déjà leur spot. Mais il faut qu'ils soient tous les deux l'un à côté de l'autre, sinon ça va pas. Ça se fait pas, hein. Bon, on ouvre les hostilités. Attention, il y a un piège. Bon, je vais aller tanker vu que Gus s'en charge toujours très bien. Hein, je vais aller tanker avec mon armure intermédiaire. Y a pas de point. Si tu vas jeter dans la gueule des ours, moi c'est pas mon problème. Ah, quelle merde. Les ours, ils sont très résistants, j'avais oublié. Voilà, ouais, je me casse. Permettez le saignement ou Gus? Vas-y, ah Gus. Bah, vas-y. Ah oui, il y a un point. C'est qu'un point qu'il te faut, toi? Oui, c'est qu'un point. Ouais. Bon, je pourrais en avoir que deux, mais c'est déjà ça. Faut surtout empoisonner, là. Le saignement, c'est en pourcent aussi, non? Oui. Ah ouf. Bah, là, faut que Gus aille sur la fronte. C'est 20% de la santé, le saignement. Waouh! Faut que je vois si je peux pas augmenter les stats de saignement, s'il y a un truc... Pourquoi tu pouvais pas avancer plus? Non. Ok. Oh, les 105 de dégâts de saignement! Oh, c'est absurde, hein. Ouais, 20%, hein. Et je reviens, je tweet. Bon. Je peux désengager... Ouais, non, ça c'est pas intéressant. Ouais, petit 40 là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment ça, 17? Allez, Jacouille, il s'impose. Il pose ses couilles. Hop. Et l'avantage, c'est que tu peux pas toucher Gus. Moi, ça me va. 38%. En pire des cas, tu touches Robert U. Ouais, 38%. Ouais, ça se tente, hein. Bravo, et tu sais quoi, il est parti pisser, c'est nickel. moi je te balancerai pas. Oui voilà, personne ne balance. Moi je te balancerai pas. Il mérite en vrai, hein, il casse les couilles à tout le temps de bande et tout, là c'est bon. Tu fais gaffe, il y a un piège à ours ici, hein. Ouais j'ai vu. Mais je peux pas bouger le loup. Faut que je bouge d'abord Cyril, mais c'est un peu... Oui, pas besoin de mettre des persos pour contrôler les animaux. Les animaux peuvent se faire en automatique, ouais, mais rien, le problème, ouais, c'est que les animaux sont cons quand ils sont automatiques. Ils se jettent sous les pierres, enfin, et du coup, tu les perds beaucoup. Ouais, il est très inspiré. Inspiration. Ah, oh. Oh, oula, oh. Entouré. Ouh, le gugus. Pas encore. Donc là, le loup. Ah mince! Tu peux pas toucher. Ah merde, t'as pas tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, attends. Mais là, on contrôle les animaux, là, un chat. Bon, vous inquiétez pas. Dites Rin. Attends, toi, il te faut combien? Vous dites Rin. Comment c'est... Non, du Rin. Rin. Après, là, je vous cache pas que j'ai envie... Mais bon, comme vous voyez, en fait, je veux pas qu'on on demande l'avis des gens, puisque personne le fait, donc je vais le faire, quoi qu'il arrive. Ah. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire?
super. Oh, putain, waouh. Wow. Ouais, mais ça fait des pourcentages. Ça fait oui, des oui, pourcent... ça fait des... ça fait mal, mais moi je me casse. Hein. Moi, je me casse. Bah, c'est à Jean-Louis. Qui a pas joué. C'est Jean-Loup. Il est engagé. Bonsoir, excusez-moi, bonsoir. Ouh là là. Les dégâts minables. Bien, ça c'est un ours et tu l'attaques avec un couteau. Écoute, tu l'attaques bien avec une sarbacane. Il tape sur quoi lui? Inspiration. Oula. Inspiré à faire des câlins à Ted. Non, ah, Ted va être en feu. Ted va être en feu. Ah, le feu, qu'est-ce que c'est chiant. Je vois pas de quoi vous parler. Tiens. Alors, c'est bien, mais ça aurait peut-être été mieux que de laisser les autres faire des trucs. Alors, attends. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, il t'a donné brûlure avant. Ouais, ouais, merci. Hein. Merci beaucoup. Hein. Je disais trop rien, mais merci beaucoup. Hein. Ça, tu peux jouer, tu vois. Ah, j'aurais tellement dû filer brûlure à Eventy juste après, là. Moi, je vais quand même l'avoir, hein, j'en fous. Hein. C'est vrai. Ah, le saignement, c'est pas sur la bonne personne, fais chier. Comment ça? Bah, ah, tu vas oui, pas pouvoir... Quoique, si, hein, si je fais le tour. Ouais, c'est... ouais, ouais, ouais. Et voilà, on a plus de points. Voilà. Parce qu'il m'a fait saigner, il m'a fait cramer. Ok. C'est quand même chonky un ours. Hein. Non, je peux pas rentrer. Moi j'y vais. Aïe. Ah. Ah, on l'avait prévenu. Bon, poison, feu, c'est bon là. Oui. Oh merde, je peux pas le capturer. T'as pas de corde? Si, mais j'ai plus d'action, je suis trop con, j'ai oublié que c'était il fallait garder une action. Voilà, bon, il est capturable hein, l'ours, celui qui a tous les debuffs là. Hein. T'as de la corde, meuf? Je peux, j'ai Solveig a déjà joué. Ah merde. Ah, Cunégonde? Non, j'ai pas de corde. Yes, désolé. Attends, je vais faire ça. Oh, je peux tellement aller loin maintenant. Vas-y, Jacouille, tire. Attends, je donne les poings, voilà. Un Jacouille qui peut se déplacer comme une personne normale, oh non, incroyable. Regardez où est-ce que je peux aller. C'est fou. Ah bah, je peux même aller là-bas. T'as des cordes? Non, j'ai pas de cordes. Elle veut des animaux, elle a pas de cordes, elle fait aucun effort. Oh, mais je les volerai, tiens. Tire avant de bouger. Tu peux tirer avant de bouger. Par contre, il va crever, hein. Oui, je peux tirer, ouais. Enfin, ça va, il lui reste 100. Je peux même tirer. Ah non, je peux pas tirer. Faut tous les ennemis alliés adjacents. Ouais, bah non, bah écoutez. Et bah voilà. Mais tu pouvais bouger après. Oui. T'as des cordes, Eventis? Oui. Tu veux pas capturer celui-là du coup? Bon, on peut. Hein. Ouais. Il en faut 6, je crois, pour un ours. 5. Ça a foiré. C'est quoi ça? Si c'est bon. Si c'est bon. Capturé. Ah, okay. Je sais pas pourquoi. Allez, ça bon, fait on peut un... les deux autres. Ça fait un truc de coup de couteau loupé, j'ai pas compris. Ouais, j'ai vu aussi, ça a fait 2 de dégâts. Ok, lance. Saut de gus. Apparemment, j'ai pris une flèche dans le dos, c'est ça? Quoi? Non. Comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? D'accord. Non, j'ai des informateurs qui m'ont rapporté les faits. Oui, mais non, mais à un moment donné, faut arrêter d'être parano, hein. Et ma relation, du coup, s'est dégradée. Putain, 7 personnes me détestent maintenant. Bah, en même temps, c'est mérité, hein. C'est couille. C'est marrant quand même que 7 personnes te détestent sur un groupe de 8. Oui, il faudrait peut-être se poser des questions, hein. Heureusement qu'il y a Siri quand même. Hein. C'est quand même marrant ça. Vous êtes tous une bande de connards ingrats. C'est tout. Tout ce que j'ai à vous dire. C'est... Le pire, c'est que Cyril, je crois qu'il t'aime vraiment beaucoup. Mais oui, moi c'est mon pote Cyril. Il lui donne des carottes. J'ai du mal avec les humains, moi. J'adore que les animaux.
Il lui file des carottes de temps en temps. On est déjà au nouveau tour là. Apparemment. Bon bah go défoncer le dernier ours hein. Ouais. Pendant que notre nouvel ours fait dodo dans les flammes. Bon, je suis déjà en feu moi. Foutu pour foutu. Ah bah c'est sûr, avec Svetlana, je comprends. Bon, les gens jouent pas, du coup j'y vais. Prends le coup dans le fiac à chaque fois. Il y a encore un point de compétence, hein. Y'a pas, je joue. Ah, je m'impose. Voilà, c'est bon. Il est joué. Bouc. Allez, eh, on peut le capturer. Putain, 131 de brûlure. Ah bah 3 ours, voilà, comme vous voulez, hein. Ça va faire beaucoup. Ça va faire trop, non. En fait, je pense que dans ce jeu, tu peux te faire une run où t'as un personnage et que des ours. Et que des ours. Mais je crois que ça existe, oui. Hein. Bah le jeu est super permissif sur tout ce que merci tu veux faire. Merci beaucoup, en fait. Bonsoir tous ceux qui sont là, bonsoir hop à ceux là, qui arrivent, dégage. Bonsoir, allez. Bonsoir. Oh, des bêtes, des petites côtelettes, des petites côtelettes. On va bien manger, hein. De l'ours. Il y a un truc au sud. Et on peut réparer là-bas. Les potions. Ah bon, l'armure du coup, tu veux qu'on fasse comment, Eventis, là, vis-à-vis de... Non, vas-y, je l'ai filé. Si t'as déjà un moins 2, en vrai, je m'en bats les couilles. Surtout qu'en fait, il y a un plus 6 dégâts. Ah, ouais. Attends, comment ça se fait qu'on est... On est trop lourd. On est trop lourd. Bon, il faut se reposer, on va gérer le poids. Faut s'éloigner de la brume le plus possible. En attente d'alpha, on peut pas se reposer. Pourquoi? Ah, parce que t'es en train de... je sais pas. J'arrive. On est près de la brume, là, non? Je vais pouvoir équiper l'armure couille, dans hein. Mon ancienne armure, je la mets dans l'inventaire. Si tu veux la désenchante. Et hop qui là qui a le nouvel ours? Oui. Quoi? Oh, il y a 500 PV quasi. Jacouille. Ouais, ah, c'est moi qui l'ai l'ouvert. Qui veut le nouvel ours? Bah après c'est un. Oh bah vas-y hein. Oh là là. J'ai pas accès à la fiche de perso, mais... c'est sûr. Ah c'est bon. Attends, Jacouille. Chat, comment on appelle le nouvel ours? Comment qu'on l'appelle? Putain, mais il faut que j'aille soigner l'ours là. Tu l'as déjà, contrôle des animaux au combat? Oui, je l'ai, ouais. Ah bah voilà. Est-ce que vous voulez qu'on apprenne un nouveau truc? Moi, je peux apprendre une nouvelle recette, mais si vous avez d'autres trucs en prio, n'hésitez pas. Déjà, on va augmenter le mouvement, parce que j'ai bien compris que c'était important. Sans déconner. Un petit peu de chou farci ce soir? Oh putain. Oui. Du chou farci? Peu d'alcool. Cyril qui a pris un niveau incroyable. Voilà. Non, non, il bouge bien. Il bouge bien l'ours. Il bouge bien. Oh, attends. Je peux améliorer. Non, non, les couilles, faut vraiment que ça ressemble à une couille. Ah, c'est oui. les râteaux qui ressemblent à une personne couille. Personne sur le pilori et pas une. Ah, Winnie. Oursouille, bipolaire. Pas mal, bipolaire, ouais. Bipours. Ben, vous voulez que je vois ça? Couillons, vous pouvez, bourse molle. Ah, bourse pas une copine. Bourse. Putain. Oh, bourse, c'est bien. Une copine. Putain, mais bon, cette pauvre Svetlana, je sais même pas ce qu'elle faisait avant. On a oublié. Elle a choisi son destin. On sait plus, hein. Je crois qu'elle-même, elle sait plus. Elle a un traumatisme crânien depuis 2 mois, hein. Alors... La volonté, c'est quoi déjà? La volonté, c'est les critiques et à 15, ouais. T'as une sorte de cheat death. Ah ouais? Ouais. Bah, Maf, t'as pas besoin de ça pour tes critiques? Non, je mets ça. Si, ça peut être pas mal pour le critique. Je vais prendre le pourquoi t'as un item qui fait ça? Le bah, en fait, on était en train de proposer ça à Maf, pressé, mais tranquille. Elle écoute pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle écoute pas du tout ce qu'on dit. Non mais au moins elle a pris l'arc, c'est bien. Elle a pris l'arc. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Tranquille. Non, rien du tout, t'inquiète. Rien du tout, t'inquiète. Bah si, on m'a appelé. Non mais tranquille, c'est pas intéressant. Ah ok, très bien. Non mais genre t'as pris le médaillon dont on parlait. Et genre on est en mode qui le veut et toi t'es là. Je le prends du coup parce que personne ne le veut. Ah merde. Je l'ai remis dans le...
C'était une factionnaire qui nous a attaqué. D'accord. Ok, bah voilà, elle a choisi son destin. Voilà, dommage à elle, dommage pour elle. Alors, ça nous rapporterait quoi? Ah merde. Bon, il me faut des cordes aussi. Tiens, voilà, je vais les prendre. Hop là. Putain, le coffre il est mal rangé, hein. Je viens de trier. Oui, mais il faut regrouper, mon fin. Mon bon monsieur. Regroupez donc. Ah oui, c'est vrai que quand on fait ça, il groupe pas. Il stack pas. Non. Hop là. C'est bon. C'est tout rangé. Attends, bon. Mais le médaillon, vous l'avez pas équipé du coup? Non. Bah, c'est qui l'a alors? Attends, le croc acéré, tu pourrais pas équiper le croc acéré au loup? Coup critique contre les cibles qui saignent augmenté de 10%. Attends. Bah non, le loup il a qu'un seul emplacement d'équipement. Ouais, non, il peut juste avoir des fontes. Putain, le relou il me déteste de ouf, vas-y. Non, je peux pas. Ah, même les animaux ils me détestent. Bourse molle, c'est trop. Mais vas-y, tous les animaux ils me détestent. Ah bon? Qualité, non, le nouveau bourse, il s'appelle bourse, putain. Ah, mais c'est moi qui l'ai, Joren. Bah tiens, après c'est apprend le croc acéré pour Jacouille. Ah, ok. Non mais Solveig, il a projectile de qualité, ça lui donne dégâts des tirs augmentés de 10%, je vais garder ça moi. Bon, je vais prendre le médaillon moi pour Roperu. Ah non, pour Jean-Louis. Pour Jean-Louis, ce serait bien, je pense. Croix serrée, tu vois ça où? Ah c'est bon, attends. C'est bon, je l'ai. Coffre. Je l'ai, je l'ai. Comme ça, à la limite, tu peux aussi faire des combos entre... Cunégonde et Jacouille. Après, j'avais projectile de qualité, déjà. Ah. Attends. Compétence croix serrée. Ah ouais, mais c'est peut-être moins bien. Alors, Jean-Louis, il a ça de level up. Oh là là. Ah, mais Rolric, il est level 7. Il est plus au level que tout le monde ici. Qui ça? Le PQ, la pécore dans la tente. On a une pécore dans la tente. Attends, je vais la renommer. En vrai, voilà. J'ai déjà un truc qui est sympa. Gitoufline. Ce sera Gitoufline. Gitoufline. Gitoufline, elle a une capacité d'évasion 80%. Oula. Ah oui, non, valeur de base 100%, moins 20% blessure. Bah par contre, peut-être tu peux la foutre au pilori. Envisager hein. De la mettre au pilori aussi, j'allais dire. On a une nouvelle place. Non, mais elle a zéro capacité d'évasion, là. Ouais, et pour le principe. Attends, je comprends pas. Capacité d'évasion... Attends, capacité d'évasion 80% et une 10 probabilité de fuite au prochain repos, vous, faible. Oh, je vais pas prendre le risque. Oula, place au pilori, mais là. Ah oui, ah c'est super. À vous, Gitoufline et Svetlana, là. Oh oui, ah c'est parfait, elles sont super ici. C'est tellement malsain, bordel. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Une partie de moi hâte que Robert Hue meure quand même pour que j'arrête de RP cette horreur. Et après, on se demande pourquoi Robert Hue est détesté de tout le monde, hein. Mais j'avais simplement de là où je viens. C'est normal. Oh là là. Enfin, ouais, tu peux encore prendre la nouvelle. Franchement, quand on va devoir enterrer Robert Hue, vous savez quoi, on le jette dans le fleuve. Ah, n'empêche que vous avez regretté son DPS incroyable, hein. Ça c'est sûr. Robert, et puis c'est bon petit plat quand même. Hein. Avant d'aller se coucher, il va près du pilori, il fait 1, 2, 3, ce sera bientôt. Et finalement, ce sera les deux en même temps. Finalement, ce sera l'ours. Ah, tu touches pas mon ours. Bon, je vais valider. Dodo, oui. Dodo. On va essayer de dormir. 20% de risque. Ça va. Elles ont passé une très bonne nuit, en tout cas, les filles. Je crois que Gus a apprécié une pasta fouettée. Ah, à monte de parler. Oh putain, qu'est-ce qu'il va nous raconter de l'autre barde? Ah, attends, j'ai cru encore un P. Vas-y, Eventis, on sait que t'en meurs d'envie. Voilà. Encore un peu et je vais me faire un nom. Même la Légion voudrait embaucher un gars comme moi. Non, pas avec cette coiffure, désolé. Non. Ah, c'est... ah si, si. Enseigné 182 d'XP avec ses compagnons proches. Ah ouais, mais toi, t'es pas proche de moi. Donc tu dégages. suggéré par Gus. Ah. Ah oui, non, mais c'est toi qui veux. Écrire, obtient plus 91 d'XP. Oh non. Bah. Montrer, faire une démonstration de ses talents en groupe. Plus un point d'attribut. Enseigne.
Moi, je fais un point d'attribut, c'est bien, non? Ah, moi, je fais une démonstration de mes talents au groupe. Hein, rien. Un point d'attribut? Bah, ouais, dans les voix, là, c'est ça, comme non? Comme si j'avais gagné un level. Ah, l'enfoiré. Ah ouais. Putain, il s'est mis bien, l'enfoiré. Ah, mais seulement à lui, ouais. Pas à nous? Bah oui, bah, oui. C'est pour tous les autres si trucs, c'était pour nous, et puis... Ah, là, merde, égoïste. Bah, le seul à... Non, non, alors, c'était aux autres... Non, parce que... C'était aux proches. Amande déteste Robert-U et Ted. Ah, il déteste Ted. Et il n'aime pas Jean-Louis. Mais putain, mais ça va là. Mais tous mes personnages sont détestés. C'est trop chiant. Surtout que Jean-Louis, il fait le taf quoi. Il a rien fait de mal. Enfin, Robert-U aussi, techniquement, c'est purement moral. Pour ça, justement. On va où là au fait? Ouais, ah, au sud, il fallait aller au sud. Il y a une meute, il y a une meute dans la, ouais. Dans la forêt. Mais non. Sortez, sortez, courez, courez, oui, courez, oui, courez, oui, sanglier. Oui, 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 oui. Un peu ouvrir. Hein. Mais on a aucune. Mais attendez, regardez la carte, on a rien. Attends, mais c'est pas grave, il y a une mine, il y a une mine, on a trouvé. Il y a une mine, c'est un rien travail. On est dans l'exploration là. La mine de fer. Ah. Oh, il y a l'air. Oh là. Ça m'a l'air d'être. Tiens, tiens. Des paysans. Tiens. Faut pas les... C'est quoi lui? Je savais que j'aurais dû acheter des esclaves. Mais parfaite la voix. Regardez-les donc. En grève. Comment vais-je nourrir ma famille si ma mine est à l'arrêt? Aidez-moi. Il faut que vous m'aidiez. On peut le menacer. Oh, on sera recherché le fou. On gagne plus de 150 de recherche. Oh, c'est mettre fin à une grève, ouais, moi je suis même prêt à le faire gratuitement. Un tamis, c'est quoi? C'est pour quand tu fais de la mine, peut-être? Attends, effrayer suffisamment le patron pour qu'il accepte les revendications des grévistes. Attends. Ah, mais là, on se met du côté des paysans. Tamis. Alors, tamis, c'est pour trouver des pierres dans les. C'est ça, ah, un tamis, oui. C'est pour trouver des pierres précieuses. Ouais, non c'est quand tu, quand tu fais de la recherche d'or, non, je crois. Enfin, oui. En mode chercheur d'or. Mais on peut pas leur casser la gueule, eux. Attends. Mais... Ah, on n'a pas le droit de miner tant qu'ils sont là, les cons. Oh, vas-y. Bah, go se faire rechercher, hein. Mais non. Ouais. Attends. Mais eux, on peut faire quoi? Ah. Bah, pas grand chose. Ah, en fait, on n'a pas cliqué sur eux. Ah. Ils éjectent plus de chrome. Convaincre. Ouais, que les grévistes doivent reprendre le travail. Ça nécessite juste un petit peu d'influence. Bon, allez, hop. Hein. Allez. Ce pingre menace d'acheter les esclaves. S'il y a une chance de le dissuader, il faut la saisir. Pour nos familles. Pour le Gondar. Dites-lui de se calmer, on va reprendre le travail. C'était facile. On va vous comment diriger une affaire. Voici une récompense des crones qui n'y ont pas dans la poche on a de pas ses de gueux. De ses gueux, il a dit. Il a vraiment dit ça. Non, je crois pas. J'ai pas eu le temps de dire la fin. Il aurait vraiment pu. Hein. Un grand moment de minage. De jeu vidéo. Hop. Il y a un temps de décalage. Ouais. Pardon. Pas assez. J'essaye. Pas en rythme. Un rubis et un saphir. Pas mal quand même. Ouais, ça se revend. Hein. Si on lui reparle là, il nous dit quoi là? We're back in business. il est content. Heureux, back in business. Easy. Let's go. Bon, donc le sud. On dirait, on le, dirait sud. Le sud. Oh putain la vache. À l'aide. Ouais, on l'a eu. Quoi à l'aide? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? À l'aide, juste à l'aide. attends, il faut aller à l'abbaye de Sainte-Lénaïde. Ouais, au ah, sud. Ah mais non, mais c'est là où il y a la quête. C'est là où ça se bagarre. Même dans le monde, regardez-le là, il se traîne les deux gueuses qui le suivent. Bah, bien sûr. Elles sont à poil. Monsieur Huyen, attendez-nous, hein, monsieur Huyen. Monsieur Huyen, vous êtes vraiment trop beau, hein, monsieur Huyen. Et tu les tabasses pour qu'elles disent ça ou c'est vraiment du bah, ouais, le début. Mais non, t'entends que c'est Robert qui dit vous ça. Vous pourrez dormir ailleurs qu'au pilori. Exactement. Non. Pourquoi on remonte? Attendez, on a une mission à l'abbaye Sainte-Lénaïde. Oui, mais en fait, c'est là où il y a la baston. En vrai, faut la faire. Mais c'est une mission. Faut la faire. C'est une quête en fait, mec.
Moi, je vais casser une gueule paysan. Bah oui, mais plus tard. Là, déjà, c'est peut-être des paysans. Non, mais déjà, là, on les a condamnés à une mort lente dans la mine, les paysans. T'es pas content ? Non, si, si. Voilà. Oui, voilà. Mais on joue de bah, c'est pas rapide, c'est pas nous qui les tuons. Ouais, c'est plus drôle. Non, mais c'est mieux, on les fait plus souffrir, là. Pas sûr. Ah, donc voilà, c'est ça la mission, en fait. Ouais, donc voilà, on va être payé. C'est une mission. Ouais. Et est-ce que j'ai le droit de tuer un paysan dans la bataille? Non, en bas, non. Bah, du coup, on est du côté des pauvres, quoi. Même pas une petite jambe? Non. On dirait une sorte de bataille avec les cheveux blancs. Une petite jambe coupée, là. Un paysan. Sans faire gaffe. Ma lame, elle traîne par terre, hop. En plus, j'ai une armure décente. Let's go. Est-ce que ça se voit en vrai? Moi, j'ai toujours une hache en bois, super. Oh, c'est vrai que Robert Rue, il est fort. Robert Rue, il est fort. Hein. Ah, je sais. Mais super, regardez avec qui on combat. On combat avec Géant Molène. Géant Molène. Attends, on peut pas. Eh, revenez, on les fout devant là. Ah non, on peut pas les bouger. Là où on est avec Amon, Jacouille, Bourse, c'est pas mal comme flanc. Jacouille Bourse, Jacouille Bourse, là, ils sont parfaits là. Ouais. Ah, on fout bah, tous les civils en front lane là, c'est parfait. Là, regarde toi là, viens là. Voilà. Attends. Ah, on peut les déplacer. Non, il faut pas qu'ils meurent. Viens là. Ouais, c'est pas grave. Mais non. Il faut pas. Ah voilà. Non, regarde, Géan Molène, s'il meurt, c'est fin de mission. Oui, mais lui, regarde, on fout derrière. Par contre, tous ses potes, allez en front lane. Putain de merde, ils vont se faire OS. Ouais, oui. Tiens, bah, il y a un autre PNJ là, on peut le mettre en front là, il s'appelle Solveig. Ah ouais. Mais par contre, pourquoi vous mettez tous là-bas? Il y a moins de place là-haut. Ouais, mais moi j'aime bien parce qu'il y a un angle où je peux faire mon attaque sur les trois en même temps là. Ah ouais, ok, super. Alors, il est où, Loulou? Il est là. Ah bah allez. Tu nous diras comment ça se passe. Mais là. Tac. J'ai une belle armure maintenant. Ah, dommage que tu meurs. Putain, je suis avec Jacouille. Bourse et Jacouille. Bah, qu'est-ce que t'as? C'est très bien, ouais, ça, avec Jacouille. Voilà ce que j'ai. Ouais, viens avec une belle armure. Là, regarde, viens avec nous. Bah, j'arrive, hein, parce que vraiment, reste avec Robert-Ru, c'est catastrophique, hein. Moi, je dis juste que viens, je suis avec nous, beaucoup viens plus avec confiant nous. Avec Cunigong. Oui, c'est ça, oui. Ouais, tout ça parce que j'ai un vagin. Mais ouais, mais non, mais il n'y a plus de place pour moi. Alors, Cunigong, sauf votre respect, je n'ai jamais considéré que vous en aviez. Ah, t'as qu'à dégager les civils. Comment? Ah oui, je dégage des civils. Regarde, on met un civil là-bas, regarde, il va faire Firmin. Hop, voilà, là, il est bien, là, regarde, les deux, là. Regarde, t'as de la place, t'as même la place pour décaler les autres. Ah, il a du feu. Ah non, mais Bourse, il va pas rester avec... Ramène Bourse. Ramène Bourse. Il a du feu. Ramène les bourses. Mais où non, ça, il y a fou, du feu. Fous le loin, lui. Pas de feu. Ah non. Mais non, bah, il faut. Bah, regarde, et si tu veux pas de feu, regarde, on le fout là-haut. Regarde. Faudrait que je soigne Bourse à un moment donné. Ouais. Et puis voilà, y a pas d'autres viandards à envoyer. Mais pourquoi là, t'es en arrière comme ça, Gus? Tu veux pas un peu assumer plus là et être en front? Comment ça? Où ça? Où est-ce que je suis? Bah, je sais pas, mec. Je t'ai mis sur le flanc là, à droite. Hein? Attends, je suis où? Mais il y a tout le monde qui me bouge, je suis où? Ah, c'est bon, ok. En fait, ce qui serait bien, c'est que tu sois là, je pense. Mais... Hein? Ouais, ok, super. Oh non, il a du feu aussi, lui! Je vais pas te mettre là, Bah, regarde, on le fout là-bas, voilà. Voilà, on le fout là-bas. Ouais, parce que sinon, ils vont tous être en feu et on va tous être en bah, feu. Bah là, on va pouvoir voler, là, on va voler, j'espère. C'est à qui? On va voler. Mais eux, qui jouent bah premier, pas à moi, y'a pas d'AOE possible hein, parce qu'on va pas laisser me déployer au fond donc. Voilà, là où t'es, c'est bien. Et là, t'attires le premier et comme ça, y'aura de l'AOE possible. Limite, je pense. Genre, t'engages celui-là. Comme ça, lui, après, il vient sur toi. Ah non, attends, non, moi, je bouge pas, je suis bien là. Oui, sinon, tu bouges pas. Tire avant de faire ça. What about this? Tire avant de faire ça. What about this? Bah ils vont venir. Pourquoi pas, oui. Vas-y. Tire, hein. C'est rentable. Petit tir. Hein. Sur lui. Ouf. Pas mal, j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Okay. C'est une proposition que j'apprécie. Ouais, il prend des dégâts quand même. Un équipier. Renvoie 15% des dégâts subis à l'attaquant. Cyril, il peut pas nous filer plein de points là où il est là?
Thierry déjà plus proche, non? Ouais, faudrait être un poil plus proche. Non, mais je jouerai après. J'aimerais bien caresser Bourse, mais il est un peu inatteignable, là. Ah, je leur fais pas grand-chose. Ah là, regarde, bon. Regarde comme ils sont bien les civils là-bas, là. Oui. Okay, bah, tu les auras, tes civils morts, hein, ce soir. Ah oui, oui. C'est vrai. C'est pas moi qui les tape, c'est dommage. Bon, d'ailleurs, après, faut qu'on aille chasser des rats. Oh, et là, tu me tapes, là. Non. Dommage. Quelle précision. On t'entend, Robert, quand tu penses fort. Ah, je ne pensais pas. Ponk. Putain, il m'envoie des petites contre-attaques à chaque fois, il est relou. Ponk. Attends, mais il peut attaquer combien de fois, Robert Hue, c'est pas possible. Bah, beaucoup de fois parce qu'il suit tous nos points. Ah, ouais, mais n'empêche, ça vaut le coup. Je tape les gros tanks, ils ont plus de vie. Oh. Allez, les paysans. Faites-nous brûler tout ça, là. Moi, je dis, c'est le moment à Jacouille de faire quelque chose. Jacouille. Jacouille, it is your time. Non, attendez. Your time to shine. T'as pris l'arc? Ouais, j'ai pris l'arc. Vas-y. Oh, non, je vais tenter quelque chose. Ah, fais gaffe, attends. Quoi? C'est un ennemi, ça. Hein. Oui, je sais, mais ennemi, je... Hein. Oui. Il joue dans longtemps, lui. Non, il joue genre dans pas longtemps. Ah. Il joue en 3, attends, c'est le troisième. Bah, je voulais tuer lui, mais... Non, t'inquiète, lui, il est mort, il a déjà joué, on s'en fout. Bon, bah, dégage. Voilà, mais... T'aurais pu le pousser à l'intérieur de la zone. Ah, merde. Bah non, bah, trop tard. Mais c'est pas possible d'avoir si peu de mouvement, mais il a des jambes qui font 30 cm. Bah oui. Compliqué à tuer, quoi. Bah justement, laissez-le tuer et dès qu'il aura un point de compétence, t'inquiète pas qu'on va on va lui apprendre à être un peu plus endurant. Qui c'est qui joue là? Cyril, il peut aller finir lui là? Non? Je pense que Bourse pourrait engager lui là. Ok. Ouais, c'est vrai. Coup de patte monstrueuse! C'est bon. Ça, c'est de la bourse. Patte, hein. Un bon coup de bourse. Ah, bien, c'est la fin de Jacouille. Ah, Jacouille. Ok, alors ça va être une fin de tournage pour Jacouille, je crois. Non. Peut-être que se mettre à 3 mètres d'un mec avec une hache, c'était pas le meilleur play, je suis pas sûr. Oh, les dégâts. Oh, bien joué. Ah, mais ils sont en bois, eux, par contre. Ah oui, ils sont pas très résistants. Ah, oh, merci. Oh, le sauveur. Oh, merci. Fallait sauver Jacouille. Oh, merci. Ah, c'est beau, hein. C'est vraiment héroïque. Ce meurtre a été héroïque. Voilà, si on peut le dire. Ah, il avait pas envie. Pense, avec Ted, tu peux peut-être te mettre là. Pour aggro celui-là. Je peux me mettre là, ouais. Pour un point, je pourrais l'atteindre et le taper, mais ça vaut pas le coup. Ouais, non, t'inquiète. Tant pis. Ouais, en fait, eux, ils font des gros moulinets. Je pense qu'ils sont vraiment dangereux quand ils sont en zone. Attention, let's go le feu. Trois hâtes là, trois hâtes qui nous viennent au cac pour nous cramer là, ça va être super. Et de l'autre côté? À moi. Vas-y. Moi, je peux faire. Attendez, je peux faire une brochette. Et ta brochette. Ah non, mais tu vas utiliser un point. Ouais. Ça sert à rien là, ils vont mourir quoi. Y'a pas besoin. Bon, bah, un coup de lance. Juste mettre un coup de lance, oui, juste, bien sûr. Suite derrière, un coup de lance. Lequel? Le ravageur. Ok, je. Oui. Alors. Bah, tu peux traverser, non? Oui, je peux traverser justement, je voulais tester. Ce qui serait bien. C'est cercle en plus. Tu sais le toucher? Chez les deux? Mais malheureusement, non. Est-ce que la brochette est possible? Bah ouais, la brochette, mais non. Ça coûte un point. Ouais, mais je pouvais pas toucher l'autre. Ah, tu pouvais pas taper celui derrière. Non, je pouvais pas. Après, c'est pas grave, tu nous as donné un point, c'est pas mal. Ouais. Tant mieux. Ah ouais. Je peux même donner plus de points là, non? Si je le colle. Parce que on l'entoure encore, si je me rapproche. Ouais, si tu veux. Non. Non, parce que tu donnes un point que quand tu tues une unité, toi. Ah merde. Non, je pensais que c'était quand on l'entourait. Non, ça c'est les tanks. Bah, je peux plus bouger. Les dégâts. Bah, avec une fourche, attends, ça rigole plus là. Hein. C'est complexe les dégâts quand même là-bas. Hein. Oh, il a un HP, j'ai envie de
T'es crevé. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est parti, ouais. Quel cauchemar. Bien, c'est eux qui brûlent d'abord. Le loup, le ravageur peut-être, ou sinon le tueur à gage. Ah non. Je crois pas qu'il a la range pour le ravageur. Ah, Cyril, le meilleur. Le meilleur d'entre nous. L'ami de tout le groupe. Voilà, c'est vraiment Robert. Je comprends en ou fait. Plutôt tu plutôt le seul ami que tu as. Oui, c'est mais ça. Bah, peut-être que c'est pour ça que c'est notre chef. Peut-être que c'est le seul qui arrive à comprendre tout le monde. Hein. Et qui est pas aussi obtus que les autres, hein. Peut-être. Oui, ouais, alors. Contre, comprendre géant, quelqu'un géant qui met ses femmes au pilori, je sais pas. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Il y a des fantasmes un peu bizarres. Vous respectez pas ma culture, c'est tout. Ah oui. Belle culture. Vous êtes jaloux. Oui. Ah, je le savais. On peut dire ça comme ça. Je le savais. Alors, le civil, là, je suis pas sûr. Hein. Il passe un bon moment. Je suis pas sûr qu'il s'en sort. Ah, je peux capturer un mec. Bon, allez, c'est rigolo. C'est ça, le cul. Mais, le mais, cul. Mais non, ça sert à rien. On va encore. Bah quoi ? On va les vendre. Mais c'est pas des hors-la-loi. Ah oui, merde. Wow, on lui dessine une moustache et on le ramène. C'est des mercenaires. C'était une femme ou un homme ? Ah, après, non mais c'est une femme. Robert se divertit, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas qu'aux femmes. Ah, je me diversifie, connard. Ah oui, pardon. Non, mais justement, il se divertit. C'est ce que je dis. C'était pas pressé à la base qu'il voulait mettre Svetlana au pilori. Si, hein. Ça m'accuse, mais bon. Hein ? Ah ? Quoi ? Hein ? Je me souviens pas du tout de ça. Assume pas. Hein. Pas du tout. Je trouve qu'elle résiste bien au pilori. Hein. C'est vrai. En même temps, est-ce qu'elle a le choix ? Oh, le civil là-bas, il se fait tellement bolosser. Mais c'est tellement sa place en réalité. Au civil ? Oui, au civil, ouais. Et à Svetlana aussi. Ah, Svetlana. Voilà, il picote hein, le monde. Hein. Picote bien. Oh, putain, tu devrais filer tes sangles adaptables de Amanda à Jacouille, limite. Hein ? C'est quoi ? Plus un mouvement. Ah oui, le plus un mouvement, c'est vrai. Ouh là là ! Aïe, adieu le civil, hein, quel dommage. Hein. Very sad. Anyway. Quelle horreur. Yes, very sad. Anyway. Bonsoir, Tlax. Bonsoir à toi. Oh bah, qui jouait là ? Bah, cucu. Ouais. Ah, le tueur à gage, peut-être ? Ou non ? Le tueur à gage, c'est Ted qui va s'en occuper, je pense. Ouais, donc l'équipier ? Ah bah, ils ont déjà tout joué. Il faut que ce soit boss. Oh, c'est dramatique, ce qu'on vient de voir. Je viens de voir quelque chose, là, je suis choqué. Oh, choqué shit aussi, hein. Vas-y, Bourse, tu peux finir le tueur à gage ? Ah oui, je peux, ouais. Ah non, mon c'est loup grave, c'est... Mais après, c'est... Je comprends aussi pourquoi mon perso déteste Solveig. Est-ce que dans l'histoire, nous sommes des gentils ? C'est vrai, ça ? Non. Non, non. Non, non, on est abominable. Ouais, Bourse. Beaucoup de TK hein, ce soir, hein. On en avait pas eu autant hein, la dernière fois. Ouais. Je crois que d'un point de vue RP, c'est le groupe le plus évil qu'on puisse faire. Hein. Je pense, oui. Oh non, on peut faire non, pire. Non, il y a pire encore, t'inquiète. Tu connais pas Tana. Oh, j'ai tellement hâte de faire une run où les gens m'autorisent à jouer Tana. Hein. Trop hâte de faire une run tout seul, du coup. Trop hâte de faire une run où, genre, je vois pas l'histoire du non, jeu, non, je suis on tout fait... le monde. On fait une run avec plus ah, ouais, ouais, plus, le loup. Là, ça va être bien. Une run full mort. Du poison. Ouais. On est galvanisé, ça va chier. Je voudrais bien soigner le loup, moi. Oui, toi tu peux, toi. Vas-y. Ouais. Ah, mais non, il a joué sur il... Oui, c'est bon. De toute façon, il va pas crever le loup, hein. Bah là, il non, est safe, hein. Mais. Bon, qui n'a pas joué là ? Bah, Cucu. Cucu, elle a pas joué. Cucu, elle peut avancer, alors attendez. Il y a Bourse aussi, hein, qui peut jouer. Vous êtes chaotique mauvais, les plus evil, ça reste les loyaux mauvais. Oui, c'est vrai. Loyaux mauvais, c'est vraiment genre, je veux foutre la merde de manière organisée. Nous, c'est... Oh, on fait ce qu'on veut, mais on s'en bat les couilles. Et c'est souvent des mauvaises choses. Oh, le kill oh, du... bah, voilà. Oh, le KS, il nous a KS.
Ouais, et puis oui, regarde, il va aller donner le feu à quelqu'un. Pour s'aider. Allô. Ah oui, il y a Jacouille aussi à qui il manque une jambe, il doit jouer. T'aurais dû booster les déplacements de Jacouille, hein, le pauvre. Oh, c'est bon, il a qu'à s'asseoir dans l'herbe, de toute façon il va faire une petite pause là. C'est vrai. Bon bah on va s'avancer vers les autres. Hein. Il te reste 16 HP en même temps. Tu vas comme ça là ? Ouais, peut-être pas si proche, peut-être... Ouais. Viens à côté de Gus, on merde. Est bien. Putain merde, le jeu a bugué. Le jeu a bugué. Elle ne peut aller que à fond. Oh, merde, le jeu a bugué, fais chier. C'est marrant parce qu'on voit ton chemin. C'est bon. Je vais me mettre ici. Non, là. Ou là. Ici. Voilà. Comme ça, on n'est pas non plus trop pâche. Pitié, agite-toi. On dirait qu'elle a plus de réseau. Je capte plus. C'est bon. Oh, ça va bien se passer pour le civil d'honneur là. Jacouille. Allez, va avance là. Là, il peut aller là, Jacouille, je pense. Il peut aller là, Max. Oh putain, c'est ton Max ça. Oh, c'est mortifiant. Oh, c'est horrible. Ah, Jacouille. Ah non, c'est quelque chose, hein. Ouais, c'est pour imagine, ça qu'il il a se pète hein. Une jambe, il a porté divisé par deux. Mais il a un pied beau, je pense. Il a un pied beau, c'est marrant parce que même quand Cyril double le déplacement de Jacouille. Merci de me dire que je suis beau. Et bah, Amande bouge quand même plus vite. Ouais. On va dire au revoir au civil là. Hein. Moi c'était la volonté des 26 hein. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dire au revoir au civil. Jouer. Oui, bien évidemment. Gus, tu peux jouer. D'ailleurs, j'avoue que si je peux finir moi-même. Bah, on peut faire du friendly fire en vrai avec des arcs. Ah oui, ah, ça je suis bien au courant, mais pas qu'avec les arcs. Ah, bah écoute. Allez, avancez là, vite. Oh merde. Vite. Jacouille, il essaye d'avancer. Bye bye. Ah, pas encore. Oh putain, tout le monde crame. Oh putain, oh le mouvement. Mais. Hop là. Mais tu nous as bloqués. Ah. Maintenant, on va devoir attendre que Jacouille passe. Oh putain, mais c'est Jacouille le camion, quoi. Jacouille le chauffeur poilu. Mais non, mais si vous laissez passer Cunégonde, c'est bon, elle vous libère de la place, non? Ouais, super. Mais elle a joué Cunégonde. Ah merde. Oula, attention, il a pris habileté. À la portée? Avec habileté, oui, ça double la portée, en fait. Waouh. Waouh. Allez, vas-y. Ouais, lui, il fait mal, le ravageur. Bien vu. Ah, tu fais tellement mal. Une troupe full archer, ça doit être fort. Ouais, j'avoue. Surtout avec l'Overwatch. Oui. Après, c'est 2 points, mais... Ouais, faut les avoir. Hop. Ah. Ouais, c'est vrai que le loup, il donne protection aux alliés. Quand je vienne proche des combats, moi. Oui. Yeah. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Amande? Tu peux plus passer? Mais tout le monde m'a fait un blocus! Non, mais c'est un boulet, on peut pas. Bah, fais le tour! Vous savez quoi? Je me casse. Bah, justement, regarde, tu peux t'occuper peut-être de la civile qui s'en ouais. va? Regarde, voilà, voilà, je me. Oh putain, je me tu casse. Tu peux aller sacrément loin, hein! Je me casse. Je me casse, c'est bon, c'est plus. C'est, voilà. C'est plus ton problème. C'est plus mon problème. Laissez bouger, bourse. Ah, en vrai, à part... J'espère que je bloque personne. Attends, c'est quoi qu'il a? Hop. Dégâts réduits de moitié. Avec bah non, mais Cunégonde n'avait pas bougé, hein. Jouer. Merde, mais là... Jouer.